T'as commencé à utiliser l'urine, c'est super. Donc, bonjour TikTok. Hello TikTok, how are you guys? Je demande la paix sur ce message. Je demande la paix de nos ancêtres. Que je parle avec la sagesse ancestrale. Que mes idées vous apportent du renouveau. Je vais super bien. Vous êtes dans une saison où vos portes sont en train de s'ouvrir. Vous avez une grille, vous avez un portail qui vous est ouvert. Et ce portail dépend de votre obéissance. Ce portail dépend de votre obéissance. Au fil des années, vous avez acquis une certaine discipline qui fait que vous êtes tellement focus, vous êtes tellement concentré sur ce que vous avez à faire. Dans cette période de votre vie, vous ne pouvez pas vous amuser. Vous êtes le genre de personne que vous ne pouvez pas arriver quelque part. Les gens couchent en désordre, vous couchez avec n'importe qui. Les gens mangent en désordre, vous partez vous manger n'importe où. Tout ce qui vous concerne devient précieux. Vous êtes une déesse en éveil. Un dieu en éveil. Même si vous forcez, vous restez avec les gens. Votre corps va vous déranger. Ce n'est pas pour rien que le roi a son trône. La reine a son trône. Il ne dort pas avec n'importe qui. Il ne s'approche pas de n'importe qui. N'importe qui ne s'approche pas d'eux. On va commencer à frapper les gens qui s'approchent de toi n'importe comment. Et ils vont vouloir mettre ça sur toi qu'en fait tu n'es pas folle. Tu es choisie. Souvent tu as raison, ça, ta langue va piquer. Là, maintenant, ta langue est en train de picoter ou ça chauffe. Quand c'est comme ça, il faut parler. Je suis arrivé à un niveau où, si je reste et je ne fais pas la vidéo, je ne vous dis pas ce qu'elle doit vous dire. Je serais mal à l'aise. Et aujourd'hui, on me parlait de la vision. Vous avez l'impression que vos yeux dérangent un peu ces derniers temps. Tu as même pensé à porter les lunettes à nouveau. En fait, c'est l'activation de ta vision. Vous allez arrêter de toujours culpabiliser. Vous allez arrêter de vous prendre pour la victime. Ton esprit a déjà atteint une dimension où tu voyages à tout moment de la journée. Tu traverses les frontières. Et quand tu reviens, tu as besoin d'un environnement idéal pour te réintégrer, réincarner, pour rentrer dans ton corps. Si tu vivais chez les gens que tu tolérais leur mot de tête, ça fait partie de tes blocages.
Tu ne connaissais pas ta valeur avant. Maintenant, c'est comme si tu as une force à l'intérieur de toi qui te parle, qui devient de plus en plus vraie, qui te guide. Si bien que parfois tu préfères suivre ton opinion qui vient d'eux, au lieu de chercher à plaire à ton copain. Quand ton copain se fâche pour des conneries, tu ne rentres pas dans son jeu. En fait, tu te surprends même. Avant, tu pensais que l'aimer, c'est rentrer dans ses folies. L'aimer, c'est te fâcher quand il veut. Il te fait des problèmes, il va se coucher là tant que tu viens de poursuivre. Après, il te trouve que tu es en train de faire ce qu'on t'a appelé de faire. Tu ne peux plus rentrer dans les petits problèmes. Il y a des problèmes qui y a là 6 mois, c'est toi qui appelais les gens pour dire. Aujourd'hui, tu t'es tellement élevé, tu ne cherches plus l'approbation des gens. You're okay with the fact that people can hate you. Tu es d'accord avec le fait que quelqu'un que tu respectais avant peut se fâcher avec toi parce qu'il veut même se tuer. Et toi, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu n'es pas folle. On t'a upgrade. They have upgraded you. Tu n'es plus la même. Nous sommes tissés dans la même matière. Je peux tellement bien vous dire ce qui vous arrive parce que nous sommes, ils me disent de vous dire que nous sommes tissés dans la même matière. Beaucoup d'entre vous, vous me voyez dans vos rêves. C'est seulement que vous ne vous rappelez pas au réveil. Beaucoup d'entre vous, j'interviens dans vos rêves. Beaucoup d'entre vous, on marche ensemble dans le rêve. On va à des endroits, on fait des choses. Il y a le sentiment de peur qui a disparu. Les choses qui t'alarmaient avant. Avant qu'on te disait, oh, on va te rapatrier. Tu paniquais. Et je vais arriver au pays, je vais dire quoi aux gens. Oh, oh. Non, aujourd'hui tu es là, tu es zen. On dit qu'on va te rapatrier, tu dis ok. Les choses qui t'alarmaient dans le passé, elles sont devenues comme vaines. Maintenant, tu dois... Ton problème, c'est que tu passes dans la dimension-ci et tu rentres encore de l'autre côté. Et quand tu rentres, tu remets tout en question. Ah, comment j'ai même pu croire que j'ai les pouvoirs? Comment j'ai même pu croire que je suis quelqu'un d'important? Comment j'ai même pu croire? Et quand tu fais ça, c'est comme si tu écrases, tu enlèves, tu détruis tout le château de cartes que tu avais déjà construit. Le doute est une arme fatale que l'ennemi a contre toi. Le doute et la question d'après. Genre, qu'est-ce qu'on en fera après? Genre, c'est pour faire quoi avec? Ils me disent que tu poses trop cette question. Et dès que tu poses cette question, tu écrases tout ce qui avait commencé. C'est vrai que vous me voyez dans le téléphone, vous ne me connaissez pas. Vous ne m'avez pas encore vu physiquement. Mais ce qui se passe ici, ça te fait vibrer. Ok, on me donne un exemple. Il y en a ici là où tu vibres même plus que dans tes relations amoureuses.
et tu ressens une attraction pour tout ce qui est spirituel. Avant, tu n'étais pas comme ça. Il y a 3 mois, tu n'étais pas comme ça. Mais là, ça te... C'est comme si c'est ce que tu cherchais dans les relations. Voilà. On me dit de te dire que arrête de chercher ce réconfort dans les relations. Quand je viens en Côte d'Ivoire, vous ne venez pas me voir, non. Je suis à Cotonou. Je suis au Bénin. Je ne suis que pour les personnes qui sont censées me voir. Je vois très peu de personnes. Donc, il y a une sensation que tu as cherchée pendant longtemps dans les relations. Et là, on te dit que tu dois arrêter. C'est l'étape de te purifier est arrivée. Je vois une femme ici, là, tu as beaucoup de pensées de masturbation. Tu laisses trop ton esprit partir dans tous les sens. Et c'est comme ça que ça t'éparpille. Tu te réveilles, tu es distrait, ton esprit est éparpillé. Apprends à contrôler ton esprit. Voilà peut-être le Ramadan. Ils ont commencé le jeûne quand? Quand vous voulez me voir dans un pays, écrivez. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui vont vous contacter sur mes messages. Ils vont venir sur les commentaires. Ils vont venir sur les commentaires, ils vont vous écrire. Ce n'est pas moi. Quand vous voulez me voir, il y a mes numéros officiels dans le truc. Bye bye. Bye. Ainsi soit-il, je reçois. Je reçois. Bye. M'excuse, j'ai une petite chanson de chanter avec toi. Et bon début de Ramadan. Et j'ai dit qu'on jeune, je vais chanter une petite chanson. Jésus-Christ. Mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, de l'Esprit Saint. Tout autour de moi, je vois tant de femmes, tant de cœurs qui sont si malheureux. Et mon cœur me pousse à repousser la vie. Oubliez la paix, Jésus m'a dit. Jésus m'a dit. Mets ta main dans ma main et viens. J'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Shalom. Shalom. Travail. Merci. Les anges sont en train de remuer l'eau.
Les anges sont en train de remuer l'eau. Et ceux qui vont sauter dans l'eau seront ceux qui seront guéris. Si vous voulez me voir dans un pays, allez dans mon local. Vous vous asseyez, vous dites que vous voulez me parler. Vous prenez mon numéro sur la page. Parce qu'il y a des arnaqueurs en ligne. Beaucoup. On en a arrêté un hier. Hier, je vous ai dit que si vous aviez les... Si on vous a arnaqué, que vous avez envoyé ça. Rose, I remember the first day you came on my page. I will block you. Tu as compris? Depuis le premier, je vais te bloquer. Que tu me suis depuis, mais je ne te parle jamais. Tu as vu, je parle ici à qui? Esprit de mendicité là. Attends, il te cherche et te bloque. Continue ton chemin, ne me dérange pas. Oui, mon local est à Abidjan, à Bellecôte. Au Gabon, c'est à la montée de Louis. À Douala, on est à Makepe, derrière Pacha Center. L'ennemi va utiliser vos pulsions contre vous. Yves, si vous avez payé la consultation, j'ai consulté au moins la moitié aujourd'hui. Donc, lavez-vous au sel en attendant. J'ai remarqué que beaucoup de personnes venaient tomber sur ma page et vous cherchez à me parler directement. Je fais au moins 2 à 3 heures de vidéos par jour. C'est sur ma page. Regardez mes vidéos. J'ai parlé avec un monsieur, enfin, j'ai eu le message d'un monsieur qu'on a failli arnaquer parce que il voulait me parler directement. Il voulait me parler directement. Le gars dit que non, je suis son frère. Et l'arnaqueur, c'est un de mes frères, s'il vous plaît. Dans la case, quelqu'un de ma famille. J'arrive au Togo. Le diable va se lever sous toutes les formes. Quand on m'a montré qui c'était, je n'en revenais pas. Quand Judas est parti trahir Jésus, la Bible dit que Satan est entré dans Judas. Satan est entré dans son corps. Il y a des personnes autour de vous que temporairement, ces personnes vont se laisser utiliser contre vous. Ces personnes mettront comme une épine dans ton pied, une épine dans ta chair. Et quand vous allez entendre les paroles que ces personnes ont contre vous, je sais qu'il a pris ma photo, non? Il a mis sur WhatsApp. C'est avec ça qu'il parle aux gens, je sais.
Oui. Il passe sur chacun de mes contacts. Il écrit à chacun. Si vous n'êtes pas vigilant dans cette période, l'ennemi va vouloir vous distraire. Mes numéros sont dans la bio. Si vous partez écrire à d'autres numéros, on vous arnaque. Je vous en prie. Laissez-moi en dehors de ça. Je vous dis chaque jour dans les vidéos ici que je ne vous écrirai pas. Parce que tout le temps qu'elle passe à dire, tout pour vous, c'est que dès que vous tombez sur ma vidéo, vous voulez me parler. Vous me parlez pour me dire quoi? Quand elle prend 2 heures par jour, elle fait les messages là, vous parlez que je parle au fou. Ou je parle à l'air, je parle au vent. Ou je parle au mur. On vous donne des messages, vous n'écoutez pas. Lavez vos selles, vous n'écoutez pas. Faites des libations, vous n'écoutez pas. Faites le salaka, vous n'écoutez pas. Vous me racontez ce que vous vivez. Je n'en ai rose. Je m'en fous de ce que vous avez vécu. Tu as suivi? Et j'ai remarqué que la qualité première avec laquelle cet arnaqueur vous piège, c'est qu'il écoute vos balivernes. Ah, mon mari m'a fait mal. Il dit, oh, désolé. Ah, j'ai perdu mon enfant. Oh. Pour un petit, oh. Te voilà. Et donc, je vais parler à la reine elle-même. Tu vas parler pour me dire quoi? Rose, je vais te bloquer. Je te parle comme ça avant de te bloquer, moi. J'en ai rien à foutre de tes rêves. Tes rêves, ce sont les points de message. C'est le point de contact de tes ancêtres avec toi, de tes guides. Tu veux parler de tes rêves? On te communique tes messages dans les rêves, tu n'écoutes pas. On te parle dans la journée, tu n'écoutes pas. Tu viens, tu me raconter ça, pourquoi? Tu vois que ce qu'elle veut parler, que tu vas faire? Vous êtes têtu jusqu'à la moelle épinière. Têtu. Têtu comme tout. On parle, vous n'écoutez pas. Ça veut dire quoi? J'ai rêvé de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et bon, vous m'avez vu comme votre ami. Et bien, je suis votre ami. Et pourquoi dans la nuit, tu es encore dans la clôture? Pourquoi dans la nuit, tu tournes toujours en rond? Il y a un esprit sur vous ici en ligne. L'esprit de l'arrogance et de l'orgueil. L'esprit de l'arrogance et de l'orgueil. Et c'est ça qui vous tue. Rose, tu ne me suis pas. Hein? Attends, je te bloque d'abord, pardon. Tu ne me suis pas, pardon. Vous laissez vos bêtises là. Ouais, vous allez me flatter avec vos bêtises là. Tu suis mes conseils, puis ça me fait quoi? Partir là-bas. Vous parlez, vous n'écoutez pas. Mof. N'écoutez pas. Quand je me lève chaque jour, je cherche qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui. Et les ancêtres ne parlent pas seulement à travers les rêves. Ce qu'on vous dit dans la nuit, c'est ce qu'on vous a dit dans la journée, vous n'avez pas écouté. Avec vos grosses têtes. Il y a un esprit qui fait seulement vous insulter. Vos grosses têtes farfelues, non rasées. Tu as prévenu Rose, est-ce qu'elle a voulu écouter? Rose est sage, non? Faut la laisser. Ce qu'on te dit dans la nuit, dans le rêve, c'est 20% de tout ton message. C'est 20%. Ça veut dire que dans la journée, tu restes éveillé combien d'heures? Je ne fais pas de consultation. Laissez-moi. La consultation, c'est combien? Écoutez-moi même 6 mois avant de chercher à me parler. Tu n'as pas vu quelqu'un qui refuse de parler aux gens? Si tu fais ma vidéo, tu ne veux pas m'écouter. Tu veux que je t'écoute, pourquoi?
Vous êtes instable spirituellement. La formation des sirènes pour les femmes de l'eau, c'est 30 000. C'est une vidéo de 27 minutes. Voilà. 30 000 francs. Elle paye, vous en envoie la vidéo. Si elle ne veut pas, elle laisse. Voilà. Vous êtes têtu. Combien d'entre vous? C'est pour ça que je suis même plus pressée. Je suis au Bénin. Point. Je vous donne mon numéro. Attendez, je vais vous donner mon numéro du Bénin. J'ai même mis le téléphone là-haut. Mon numéro du Bénin sera sur la page tout à l'heure. J'ai laissé le téléphone dans la chambre là-bas. Vous pensez que les esprits seront patients avec vous? Non, ils attendront. Je vais d'abord faire l'enfant. Ils attendront. Ils vont d'abord faire l'amour. Te voilà, tu fais l'amour, ça ne finit pas. Ils te prennent à toutes les positions. Position lézard. Position crapaud, crabe. Tu es là, tu es là. Tu as eu 5 gourmands en un an. Tu ne veux pas faire ce qu'on te dit de faire. Bonsoir, le petit-fils de Florence. Il y en a parmi vous. Il y a l'esprit de provocation. L'esprit d'adultère. Toi, tu marches seulement pour chercher sur qui tu vas tirer. Promiscuous. L'esprit de prostitution. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Tu n'as pas, tu veux seulement charmer les gars, les gens. Tu veux savoir quoi sur ta vie? Qui te demande directement? Je veux savoir, savoir. Parle, vous n'écoutez pas. Peut-être te bloque. J'avais une de mes filles comme ça. Tout ça passe, c'est seulement les mini. C'est que c'est l'esprit des mini culottes sur toi. C'est quoi ça? Tu es censé, tu es obligé de monter ton ventre aux gens. Tu parles fatigué. Le lendemain, tu la vois encore sur les photos avec les mini. Toute l'onction que tu as là, tu viens gâter avec les bêtises. Les astuces ne marchent pas. Ne fais plus. Et désabonne-toi. Désabonne-toi de ma... Toujours avec les mini bizarres. Elle prend les photos, elle te met les filtres. Quand tu la regardes, là, il y a un esprit. Quand elle m'envoyait ces photos, moi, je ne regardais pas ces photos. Je ne passais jamais sur sa page. Parce que vous résistez l'Esprit Saint. Vous le résistez. Vous résistez. On te dit, donne-toi une fois, non. Non, tu penses que tu vas laisser le planter à qui? Tu as même tout le compte du Cameroun, ça ne te suffit pas. Hein? Mange le plantain, plantain, plantain. Mange le plantain sans avoir le pot à côté. Sans rien. Tu veux seulement manger le plantain. Tu te masturbes, tu mords dessus. Ça dissipe ton énergie. Je suis aigri, je suis impoli et je te bloque. Et ça me plaît. Ma part de jouissance se trouve quand je vous bloque. J'émets du plaisir à vous bloquer. I like it. Un temps de mouvement, tac, tu es parti en week-end avec un gars quelque part. Tu pars où? Au Damha. Tu aussi, assois-toi. 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 Il y a des richesses qu'on veut te donner. Ton argent se dissipe. Tu es parti. Tous les cris que tu fais au lit là, c'est ça qui dissipe ton argent. Tous les cris, les gémissements que tu as fait la nuit là, c'est ça ton énergie de l'argent qui est parti. Tu es fatigué de te laver, celle, tu arrêtes de te laver, celle, tu arrêtes de me suivre. C'est ton anniversaire, je n'en ai rien à foutre. Voilà.
Votre argent se dissipe. La masturbation. Ça prend ton énergie. Tu te sens faible. Tu dis que je vais arrêter de manger. Attends, te voilà. Le lendemain, tu es sur ça. Pam, 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 pam. Je vais apprendre à faire les vidéos. Tu ne fais même pas une demi-vidéo, mamie. Tu ne fais même pas une demi-vidéo. Tu mets la formation, tu te couches, tu dors. Il y a un esprit sur toi. Il y a un esprit sur toi qui est en train de te dominer. Et il faut que tu laisses les motifs. Ce n'est pas avec ton corps que tu vas prendre l'argent à un homme. Ce n'est pas avec ton corps. Laisse. Si c'est ça qu'il te propose, tu laisses. Monsieur, ne prends pas l'habitude de m'appeler directement. Écris, je vais lire le message. Je suis toujours en réunion. Écris. Pas où tu es mon employé, tu vas te permettre de m'appeler n'importe comment. Fâche-toi, tu sors de ça. Il y en a ici parmi vous. Votre mère a subi ça. Ta mère a subi ça. Tu as vu ta mère mourir à petit feu. Tu as vu la destinée de ta mère s'est gâtée à cause des hommes. Te voilà petit à petit, tu es parti sur le même chemin. Je peux aussi bien vous parler de ça parce que ça, c'est quelque chose que c'était comme... Ce n'était pas la drogue pour moi, mais j'avais des saisons où c'est comme si j'allais devenir folle. Je m'arrange comme ça là jusqu'à je Wanda moi-même. Quand je me vois en rouge, je suis comme une fée qui vient de tomber du ciel. Comme une fée. Ici, demain, ton cœur change. Et certaines parmi vous, c'est comme si ça vous plaît. Comme quelqu'un que tu essaies de retirer de la prostitution. Elle rit. Dans ton dos, elle n'est pas fait. Après, elle revient le matin, elle fait comme si de rien n'était. Justement, beaucoup de femmes aussi sont piégées là-dessus, sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a des femmes qui ont 50 ans, mais tu la regardes, elle est attirante. Elle a une beauté là que tu... C'est électrique. C'est ta puissance financière, mamie. C'est ton argent. C'est ton argent. Et c'est comme ça que les hommes qui sont initiés, qui connaissent, ils vont venir vers toi. Même les femmes qui soignent, faites très attention parce que quand tu commences à soigner et tu es belle, tu vas avoir beaucoup d'hommes attirants qui vont venir vers toi. Beaucoup. Il vient, tu demandes n'importe combien, il te donne. Parce qu'il veut ton attention. C'est ça, c'est comme ça qu'on vous planifie. Il faut même lui dire que tu peux le soigner, tu vas le fouetter avec le faucon. Tu le fouettes avec l'arbre de paix 50 coups. Il s'agenouille, tu le fouettes bien. Tu le fouettes bien, il fuit. Certains sont envoyés. Certains sont envoyés. Il vient en ta présence comme ça là. Il veut prendre ta puissance. Tu prends son argent, c'est beaucoup. Tu vois, tu ne fais rien avec.
Dès qu'il part, tu vois comment tes idées sont bizarres. Tu fermes même la salle où tu travaillais sur les gens là. Tu fermes ça même pendant 2 mois. Tu ne veux plus travailler sur les gens. Hein. Il est venu prendre ta boule de cristal. Il a pris ton énergie vitale. Je ne suis pas là pour vos problèmes, je ne suis pas le commissariat. On ne porte pas plainte ici. Si tu ne fais pas attention, tu vas encore entrer dans un tourbillon répétitif. Et pour toi, c'est comme si tu as des cycles. C'est peut-être tous les 3 ans. Ou bien tous les 3 mois. Il y en a parmi vous, vous avez les pouvoirs, genre vous régénérez. Tu restes dans ça là, tu deviens noir. Tu traverses une noix de l'âme. Après, tu te lèves. Oh. Généralement, c'est après la pleine lune. Ton corps change, ton visage s'éclaircit comme si tu as fait le Njansan. Certains, quand vous ratez certains cycles, c'est très long. Tu dois encore attendre même 2 ans, 3 ans. Donc, il faut faire attention. Et ces personnes vous calculent parce que ça, c'est une période. Depuis la pleine lune qu'on a eue en février, il y a beaucoup d'activation. Beaucoup d'activation. Donc, c'est comme si tu es monté sur une montagne. Depuis là, tu ne descends pas. Toutes les nuits, c'est activation. Tu voyages. Toutes les nuits, tu voyages. Tu voyages, ça ne finit pas. Et tu ne rentres plus. Tu pars. Et tu vois que quand tu te réveilles, peut-être tu rêves que tu étais avec quelqu'un, la personne est tombée, tu l'as soulevée. Le lendemain, on te dit que la personne est malade. Tu as vu ici la question-réponse? Que 3 questions, s'il te plaît. Tu as vu ici là, j'ai dit que j'ai posé, je réponds aux questions. La tangente que tu as pris depuis le 24 février, tu es dans une activation là que les tentations des prochaines semaines qui arrivent, ne tente même pas de les considérer. Soit tu vas tomber amoureuse jusqu'à, ça va te soulever les pieds en l'air comme si on t'avait pendu seulement. Agomagno. Tu restes comme ça là, ça te secoue, tu dis que yeah. Je suis jamais tombée amoureuse comme ça. C'est l'équivalent, ma chérie. Plus ta puissance grandit, plus la tentation est forte. Maman, il te donne le plantain, tu restes au salade. C'est comme s'il a mis ça dans ton cerveau. Oui. J'ai l'eau de lune dans mes locaux, non? L'eau de lune pour laver la maison. J'ai tout ça là-bas dans mes locaux. Il y a ça à Libreville. T'as te secoue comme ça là, tu dis que yeah. C'est quel genre encore ici? C'est quel genre? Plus tu t'élèves, plus l'ennemi, quand il va venir, ça va paraître tellement. Cha! Tu avais une chaîne YouTube chrétienne. Attends, il te bloque, Sarah, avant de lire la fin de ton message. Voilà. Tu me suivais, tu n'étais pas abonné. Sinon, tu me connais très bien. J'ai TikTok depuis 2 ans, c'est maintenant que tu apparais ici pour me raconter des bêtises. Plus tu t'élèves, plus la contrefaçon de l'ennemi sera puissante. Plus ce sera puissant. Sinon, ça te secoue le corps. Et ne sois pas surpris que c'est dans les 12 prochains mois que tu vas avoir tous tes plus grands orgasmes, tu vas les connaître. C'est quoi la solution à tout ça? Et vous avez dit que je suis là pour donner la solution.
Je suis là pour parler dans vos oreilles, ça vous choque. Voilà. On est à Libreville. En face de l'hôtel de lui. Tu vas rester aux autres, tu vas dire que mais this kind of love I never seen before. Donc c'est à 45 ans que je vais venir connaître l'orgasme. C'est quoi ça? Ah, l'ennemi avait les cartes. L'ennemi avait les cartouches. Qu'est-ce que quand il te donne l'autre là comme ça là? Tu vas jurer que par le gars là. Tu vas jurer que par lui. Tu t'inquiètes pour les gens de ma page, pourquoi? Je bloque à qui de droit? Le blocage, c'est une carte gratuite. Je donne à tous. Pourquoi quand vous voyez quelqu'un en ligne, il faut forcément lui parler? Je ne peux pas avec tout le monde. Par jour, je peux consulter une personne. Parfois, il fait deux semaines avant de consulter trois personnes. Mes vidéos sont en ligne. Mes produits sont disponibles. Il y a la lecture de cartes. Ne cherchez pas à me parler. Beaucoup d'entre vous, là, vos esprits sont trop noirs. On ne peut pas se parler. Est-ce qu'il est parti avec la clé ou bien il est à l'intérieur? Et quand on a dû rompre ce contrat, je vous avais dit, j'ai parlé à cet homme-là. Je ne comprends pas comment on est le 10 et jusqu'aujourd'hui, il vient encore dans mon bureau. Cherchez un menuisier ce soir, il change la clé de cette porte-là, même s'il faut casser. Envoyez au département, on vous paye ça. Et vous fermez la porte du bureau de Dedo. S'il entre encore dans cette concession-là, vous allez me dire comment il a fait pour entrer. Il y a un apprenti sorcier, c'est là qu'il veut me montrer. Il ne sait pas avec qui il s'amuse. Qui m'a fait du tort? C'est un apprenti sorcier. Il ne sait pas que sa sorcellerie est petite. Vous devez comprendre la bataille dans laquelle on se trouve. On est dans une bataille. Nous sommes dans une bataille. Tu as un problème dans ton foyer? J'en ai rien à foutre, ma chérie. Je n'ai pas dit que je suis le commissariat. Faut me laisser. Je suis très égoïste et j'en suis fière. Je ne résous pas tous les problèmes sous la toile. Je suis sélective. Soit tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, tu pars. Vous aimez qu'on vous download sur les pages, non? Abonnez-vous, likez. Abonnez-vous. Ne t'abonne pas. Tu as compris? Likez. Ne like pas, pas. Vous blaguez, vous ne connaissez pas qu'il s'agit des vies. Il y en a parmi vous dans la nuit, vous partez sauver. Vous partez sauver des quartiers. Souvent, on se lève comme ça, là, on avait prévu de tuer même 20 enfants dans le quartier, là, ce jour-là. On avait prévu 3 accidents. Que dans la nuit, tu t'es levé. Tu es parti là-bas, tu as aidé, tu as travaillé sur eux. Après, tu es revenu. Parce que tu étais vigilante. Tu n'étais pas en train de faire l'amour à 2 heures. L'amour, ça se fait à 20h, 21h, 22h, 23h. À 3h, quand les batailles se passaient, tu étais en train de dormir bien même. Je ne suis pas dans vos années spirituelles. Moi, je fonctionne avec l'esprit. Année spirituelle, tout le c'est cela. Vous aimez les doctrines, vous aimez les religions. Vous aimez qu'on vous mette dans une boîte.
Parce que tu as fait 40 jours de jeûne. Oui, maintenant je suis... Il y a d'abord le cœur. D'abord ton cœur. Deuxièmement, ta volonté à obéir. Beaucoup d'entre vous êtes têtus. Vous avez les dons, mais vous êtes têtus. Troisièmement, vous n'êtes pas discipliné. Tu préfères aller faire, dire que tu vas montrer à tout le monde que tu as fait le jeûne, tu as fini à 18h. Alors qu'on t'a dit depuis 3 jours que va sur tel endroit, tu fais la libation. Prends ça, tu peux lancer là-bas. Va verser l'huile là-bas. Va au village, tu nettoies la tombe, tu parles, tu verses le jujube et la cola. Va dans tel orphelinat, tu fais le don. Ferme le magasin ici. Déménage, va dans l'autre ville. Est-ce que tu as fait? J'ai gêné. On va te donner le badge de well done. On va te donner le badge. Dans le rêve qu'on va venir pour attaquer, on va voir le badge là va dire que j'ai gêné dans la jeûne. Hein? On va te gifler comme ça dans le rêve. C'est pour ça que vous voilà. Tu pars à l'église, tu chantes. Tu finis de chanter, tu rentres le soir. Dans le rêve, on te tape. Tu n'as pas plus de 5 000 abonnés, tu ne me parles pas. Allez, Tengtama, tu vas venir ici là pour parler de quoi? Ton cœur aime les gens, mais on finit par te trahir. Et puis quoi? Tu es la seule qu'on a trahi ici. Tu es la seule qu'on a trahi. Tu as montré que tu as souffert plus que qui? Le trahisseur fait son boulot, toi tu fais ta part. Tu dors souvent dans la chambre aussi. On te dit qu'aujourd'hui là, va plutôt te coucher par là-bas. Dors sur le canapé ici. Parce qu'on sait que c'est le point d'entrée qu'ils vont utiliser dans la nuit pour entrer dans votre maison. Comme ta tête est comme ça là. Tu as dansé le « ils sont où ?»« Ils sont où ?» jusqu'à ta tête est trouée. Continuez. Le vrai combat se trouve dans l'obéissance. Tu n'as pas 5 abonnés, tu parles. Attends, tu te bloques. N'aime pas 5 abonnés, gna 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 gna. Bloqué. Il n'aime pas le mot aidez-moi. Qui t'avait ça? Tu me dis que tu as rêvé de André au Nana et je fais quoi? Je danse? Ils ont dansé le kyo, non? Pas de coaching, tu connais? Ils ont dansé le kyo. Oui. Ça a troué la tête. Soyez sensibles. La majorité de vos messages, c'est dans la journée qu'on vous donne. Il y a trop de bruit à côté de vous. Trop de bruit. Le lavage au sel t'aide, oui, c'est bien. Ne fais même plus. Vous êtes encore sur la base, le sel. La base. La base. Il y en a qui vous me regardez comme ça, vous simplifiez ce qu'elle fait, non? Oh, la femme là. Oh. Je n'ai pas rien à faire de toute ma vie. Tu as perdu tes pouvoirs, quitte mon direct. Dans la journée, tu as des idées. Tu as des envies. Pourquoi tu ressens ça là? Voilà la verdure, j'ai le jardin à côté de moi là. Je vais chercher mon numéro de Cotonou tout à l'heure. Je vais donner mon numéro. Je vais rencontrer les gens à Cotonou peut-être dans 3 jours. Et je suis à Cotonou, donc préparez-vous pour venir me voir. Je ne vais même pas voir beaucoup de personnes. Donc, tu restes comme ça là. L'esprit te dit, va là où c'est vert.
Va là où c'est vert. Ah, il n'y a pas le temps. Parfois, tu restes comme ça, on te dit, fais un petit sommeil. Je vais venir à Accra. Tout l'Afrique de l'Ouest, là, je suis derrière vous. J'arrive, go, sort. Deux minutes que tu passes à mettre tes pieds sur le gazon, à toucher une fleur. Tu me suis... Ça active ce qu'on t'a dit depuis. Et rien n'est au hasard dans votre vie. Rien n'est au hasard dans votre vie. Il y a les gens que tu ressens ça souvent. Tu vois, elle t'appelle. Dès qu'elle t'appelle, tu as un flash dans la tête. Tu la vois en train de te faire un truc qui est mauvais. Tu te dis, ah, c'est pas vrai. L'esprit est en train de te montrer, mais comme tu as développé la capacité à être sous-muet quand l'esprit te parle, beaucoup de vos choses, on vous montre dans la journée. Tu arrêtes avec vos rêves, que j'ai rêvé, que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On vous montre vos choses dans la journée. Est-ce que vous écoutez alors? Souvent, tu vois ça là. Tu as une vision. Tu as une vision, hein. Une femme reste comme ça, elle me dit un jour, c'est une amie qui soigne. Et les gens qui soignent sont exposés parce que, je vais vous raconter un peu son histoire. Elle soigne. Donc, il y a un monsieur qui, c'était son voisin, un jour, il la localise à travers ses vidéos, il la trouve, il vient chez elle. Il était voisin. Il dit que, mamie, je veux que tu travailles sur moi. Toutes les femmes qui l'entourent, sa meilleure amie à l'époque, et sa femme, et sa belle-sœur, donc la sœur de sa femme, toutes pratiquaient. Certaines pratiquaient même sur lui pour le manipuler. Il trouve donc la femme. La femme lui dit, oh, il dit à la femme, pardon, maman, travaille sur moi. La femme fait l'erreur de lui dire que amène ta femme. Voilà là où les problèmes commencent. Il part porter sa femme, il vient avec. Puisqu'elle dit qu'elle travaille sur le couple. Quelqu'un qui t'attache, tu l'amènes là où on va te détacher. Qu'est-ce que la personne va faire? Et elle va encore bien serrer, non? Oh Seigneur. Femme là a travaillé. Elle ne savait pas que la caméra c'était sa femme. Et sa femme travaille avec sa mère à elle, qui est la belle-mère du monsieur. Une semaine plus tard, sa belle-sœur qui était chez eux avant, elle partait c'était des adeptes d'un maître spirituel là. Quand elle vivait chez lui pendant qu'elle n'avait pas de boulot, elle pratiquait sur l'homme là jusqu'à. Une semaine plus tard, après que cette femme commence à travailler sur le monsieur, la sœur vient avouer. Elle vient avouer. Après, elle travaille encore. Le monsieur commence à... Il a ouverture d'un contrat. On va lui donner peut-être ses 20 millions. Un jour, elle reste comme ça, là, un soir. Elle qui s'apprêtait à travailler. Elle fait son sera. Elle voit un flash. Elle voit la belle-mère. Elle voit la femme en train d'attacher le monsieur. Mais qu'est-ce que tu peux faire contre quelqu'un que chaque jour, il rentre, il dort sur le lit, il mange la nourriture qu'on lui a préparée? Hein? Au gogola, tu desserres, elle serre. Tu détaches, elle attache. Et dans la vision, on lui donnait les ultimatums. Prochain truc qu'ils ont fait, ils ont bloqué les 20 millions du monsieur. Il n'avait plus l'argent pour payer les services de la femme. C'est comme ça que l'ami du monsieur là-même vient encore lui demander que pardon, donne-moi un peu l'argent. Donne-moi un peu l'argent. J'ai besoin de... Ouais, j'ai des problèmes d'argent. Mon frère, pardon, donne-moi un peu. Il porte même un truc comme 500 000, il lui donne. Depuis qu'elle a reçu l'argent là, ces choses sont encore bien tombées.
Ne négligez pas les visions que vous avez. La vision est même plus importante parfois que le rêve de la nuit que tu veux te rappeler. Parfois aussi les ressentis. Les premières idées que tu as sur quelqu'un. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu arrives chez la femme de ton père ou bien ta tante là que tu n'as jamais, il y a toujours une sensation bizarre, elle prépare, elle vient te donner. Tata, je sais que la femme ce n'est même pas. Depuis qu'on est petit, elle a tous les compliments bizarres vis-à-vis de moi. Et dès qu'elle te dit que j'arrive avec la nourriture, un esprit te dit que peut-être qu'elle a travaillé sur la nourriture là. Après tu te dis encore que non, on est quand même quatre dans la maison sinon. Tu ne sais pas qu'on peut avoir ton remède, que c'est pour toi seul. Hein? Tu ne sais pas qu'on peut avoir ton remède et que c'est seulement pour toi. Cinq personnes mangent, c'est seulement toi que ça prend. Bêta, tu es trop prudente. Au lieu de ne pas l'être. Bêta, on dit que oh, tu exagères. Parce que les gens là vous sentent depuis longtemps. Oui. Il n'y a pas besoin de trop enseigner des choses comme ça là, sur les directs. Parce que les gens avec les faux esprits vont venir ici la mélanger pour vouloir faire pour eux. Que oui, j'étais parti, après on m'avait fait comme ça là, on m'a fait ceci. Tu rencontres un homme comme ça là, il a des femmes derrière lui. Et parfois même la plus grande entité qui est derrière un homme, c'est sa mère. Il faut d'abord combattre sa mère. Tu dois trouver de quel milieu sa mère est. Si elle est de l'eau, tu pars d'abord là-bas, là-bas que tu peux avoir la matière. Ce n'est même pas physique. Il y a des familles qui ont les entités qui les dominent. Ils disent qu'ils parlent, il y a trop. J'ai compris, je me tais. Le temps est bientôt proche. Il y aura souvent les directs qui seront très, très, très explicites. Bientôt. Bientôt. La première étape, c'est d'abord que vous puissiez vous réveiller. Beaucoup d'entre vous, on vous parle, vous n'écoutez pas. On vous montre vos pouvoirs. Tu peux souvent rester comme ça. On te dit que ma nièce est aux États-Unis. On est en train d'entrer dans la salle d'opération avec elle. Une idée te vient. Que prends l'eau. Verse ici, là, tu parles. Voilà un travail. Voilà un travail. Ah, ça... C'est, comment est-ce que moi, je peux croire que... Voilà le plus grand problème que vous avez actuellement. Tout va se savoir. C'est pas un problème. Ça va se savoir. Mais il y a la saison. Ce n'est pas tout qu'on donne d'une fois. C'est pour ça qu'il y a des gens que quand ils ne sont pas prêts, moi je leur dis pas. Je ne consulte même pas. Bonsoir. Quand ils ne sont pas prêts, je ne consulte pas. Parce que leur esprit n'est pas prêt. Leur esprit n'est pas préparé. Il faut d'abord qu'on enlève. On enlève. Il y en a parmi vous que dans la nuit, on doit venir vous opérer pour enlever certains trucs. La promiscuité dont je parlais là. Beaucoup parmi vous, dans les prochains jours, je vous ai dit que depuis le 24 février, si vous êtes arrivé à une dimension où dans les rêves, vous voyagez beaucoup, c'est la saison. Maintenant, l'autre truc qui va se passer, c'est qu'on va venir vous opérer dans le rêve.
Quand tu demandes déjà que comment savoir que tu es prêt, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Pour savoir que tu es prêt, c'est quand toi, tu peux déjà leur dire que votre temps, c'est mon temps. Papa, ok, je ne force plus. Quand vous voulez, dites-moi. C'est là que tu sais que tu es prêt. Quand tu commences à dire, voilà, les dis-moi quelque chose. La tête te bloque. Parlez-moi. Parlez-moi. Attends, elle va te bloquer. Ça va te parler. Tu as attaqué et puis quoi? Puisque qui? Quand tu arrives à un moment où tu dis que gars, parce que tu peux être là, tu crois que c'est ça que je veux savoir. Montrez-moi ça. Alors qu'il y a deux leçons qui veulent que tu attrapes, mais tu n'attrapes pas depuis. Tu dois savoir bouger avec l'esprit. Tu dois savoir bouger avec l'esprit. On avait soigné tes myomes dans le rêve, voilà. Il y a des gens parmi vous, on va venir vous soigner dans le rêve. Il y en a, vous allez ressentir des douleurs. Il y a une qui m'a dit ce matin, elle a fait un voyage où elle allait guérir quelqu'un quelque part la nuit. Et dans le rêve, on lui disait que tu voyages à trop, c'est quoi? Physiquement, on a bloqué pour qu'elle ne voyage pas depuis. Mais dans le rêve, elle dit qu'elle voyage, elle dit que dans le rêve, on disait que c'est comment? Tu franchis encore la frontière, c'est comment chaque jour tu voyages? Tu viens ici, chaque jour, fais quoi? Quand le temps va venir pour que je vienne à Paris, je viendrai. C'est ce que moi je dis à mes guides. Quand la saison viendra, je viendrai. Et quand je viendrai, je vais seulement dire que je suis là. Je ne vais même pas annoncer. Je n'ai pas besoin de vous annoncer que je suis quelque part. Parce que même si je dis, 50 personnes m'écoutent. L'esprit qui va faire que tu veux venir me voir là, ça doit être l'Esprit Saint. Si ce n'est pas l'Esprit Saint, tu ne vas pas me voir. Voilà les novices, comment on fait pour bouger avec l'esprit? Parlez-moi. Elle part, quand elle revient, les gens là lui disent que tu as trop voyagé. On lance la flèche sur son pied. Dans le rêve, elle sent comment on tire une flèche sur son pied. Elle se réveille à mal au pied. La prochaine nuit, elle rêve qu'on entend opérer son pied et guérir son pied. Merci à Bertine. Donc ça, c'est la saison où c'est surtout les personnes, voilà, on me disait ça en journée. Votre famille astrale va venir à vous. Tu es menacé, c'est bien pour toi. Michel Lanois, tu cultivais le champ de manioc, on t'a attaché quelque part, tu travailles pour les gens. Donc, votre famille va venir à vous. Et ce sont les personnes que parfois dans le rêve, vous allez vous voir ensemble. Vous pouvez vous rencontrer et en une semaine, vous collez. Une semaine, un mois, un an, mais tu as senti que tu as une attraction. Donc, ce sont eux-là, c'est ton sang là-bas. Comme on dit que mon blood, mon sang, c'est eux là-bas. C'est comme s'il y a un mensonge qui nous a été donné quand on est né par la société de chercher sa famille biologique. Désiré, tu racontes tes rêves ici et te bloques. Tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Et puis quoi? Je suis une maison de start-up. Hein? Votre vrai sang va venir à vous. Votre vrai sang va venir à vous. J'ai opéré ton dos, hein. Moi, je voyage beaucoup la nuit, mamie.
Il y a quelqu'un me voit à l'aéroport. Elle dit, ah, c'est la femme sirène. C'est la femme. J'ai les aéroports, j'arrive, ils essayent par frustration. Ils essayent de faire comme s'ils vont se moquer de moi. Et c'est les mêmes personnes que quand ils sont seuls. Si peut-être ils sont quatre ou cinq, ils veulent se moquer. Mais après, une personne va s'écarter, venir derrière, que je veux ton numéro, je veux tes produits. Vous devez connaître vos tics aussi. Vous devez connaître vos tics. Vos esprits vont tellement se connecter avec vous, vos guides. Ils vont tellement se connecter avec vous physiquement. Que vous devez connaître les tics. Que certains, c'est les pieds. Peut-être un de tes genoux gratte. Peut-être le nez qui démange. C'est bien que je suis en train de parler avec quelqu'un. Après, tu sens quand ton nez démange beaucoup. Parfois aussi, quand tu sens comme quand ils sont en train de parler avec toi, ta langue commence à... Tu sens comme si ta langue... Like, you know. Ta langue commence à picoter. Voilà, la plante des pieds aussi. Tu es malade. Je ne travaille pas. Lave-toi d'abord, celle, ma chérie. Ok. Certains, c'est les yeux. Parfois, tu peux avoir un œil qui picote beaucoup. Trouvez votre tic parce que il y a un moment où vous ne pouvez plus vous permettre de passer par les mêmes doutes. Parce qu'à un moment, vous allez vous retrouver devant les personnes très importantes. Et quand il va falloir parler, quand vos guides vont communiquer avec vous, le flux sera tellement abondant que vous ne pouvez pas douter. Vous ne pouvez pas douter. Gilbert, bonsoir. Et quand vous allez avoir cette... Quand vous allez vous rendre compte, beaucoup d'entre vous, il y a des projets que vous aviez commencés et vous avez abandonné par manque de moyens. Et ces gens, peut-être, tu as voulu faire la musique, tu as arrêté. Tu as voulu faire le théâtre, tu as arrêté. Après, tu as commencé la manicure, tu as arrêté. Ce n'était pas du hasard. Beaucoup de ces projets, c'était votre chemin de vie. Et le chemin de vie, ce n'est pas un seul projet. Même le livre, certains, vous avez commencé le livre, vous avez arrêté. Maintenant, dans cette saison, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Il y a une certaine abondance financière que vous êtes en train d'avoir. Et cette abondance financière va vous permettre de payer pour que les gens fassent ça pour vous. Sandra, merci. Et quand tu vas reprendre ce projet, ce n'est pas que ce sera différent d'avant, parce que tu auras toujours les challenges. Mais le tout, si tu sais que c'est divin, tu sais que ce n'est pas... Ah, ce n'est pas seulement parce que j'ai envie de faire la concurrence avec telle-ci. Peut-être que tu as vu une de tes camarades de classe aux États-Unis qui est en train de faire le projet. Tu as l'idée de faire la même chose au Ghana, ou bien au Nigeria, ou bien au Cameroun. Après, en abandonnant le projet, je te dis que, ah, peut-être que je vais seulement faire la concurrence avec elle. Peut-être que c'est l'esprit de concurrence. On me dit, je te dis que ce n'est pas l'esprit de concurrence. Que c'est réellement ce que tu es censé faire. Et parfois, tu restes souvent certains soins en ligne comme ça. Là. Dans la journée, ils t'ont dit, cherche quelqu'un qui va écrire ton livre. Cherche. Cherche. Tu as écouté, c'était passif. Le soir, tu es sur TikTok. Deuxième vidéo que tu trouves sur TikTok. Ça te parle de l'histoire d'une dame qui a fait le livre, le genre de livre que tu voulais faire, mais elle est en Angleterre.
dès que tu tombes dessus, ça, tu lui dis, waouh, voici exactement le projet que je voulais faire ici, au Bénin. Mais la femme s'y a fait ça plutôt là-bas, au Texas. Parce que l'énergie est connectée. Ils utilisent les réseaux sociaux, le hasard de TikTok, la roulette russe de TikTok, ils utilisent ça. Même mes messages, parfois, ce que j'avais l'intention de vous dire au départ, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je me suis éloignée de mon sujet totalement. I am off topic. Totally, utterly. Parce qu'il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup de choses qui doivent sortir. Ça doit naître. Je vais commencer. Attendez. J'ai là le numéro du Bénin aussi. Vous ne pouvez plus me dépasser avec ça. Mes numéros sont sur ma page. Les lectures de cartes, c'est 20 000 francs. Je travaille sur vous à distance. Des blocages pour vous détacher. Malédiction familiale. Prenez mon numéro dans ma bio. Si on vous contacte, on vous écrit que wow, je suis la reine lumière. Ce n'est pas moi. Je vous écris quand vous m'écrivez. Si vous m'écrivez, je vous écris. Vous ne m'écrivez pas, je ne vous écris pas. Quelqu'un de ma famille se faisait passer pour moi. Et peut-être dit aux gens que ouais, soit il vient, il te dit, s'il voit que tu as un esprit faible, il te dit que c'est lui la reine lumière. S'il voit que tu es un peu solide, il dit qu'il est mon petit frère, qu'il peut te donner accès à moi. Après, quand tu payes, il commence à dire qu'elle est trop occupée, que désolé. Donc tant pis pour vous. À bon entendeur, si vous voulez faire le salaka à l'anaqueur, allez faire, pardon. Bon, je continue. Vous allez avoir beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Et ces idées, quand tu vas parler avec quelqu'un, quand tu vas parler avec ton oncle va te dire que c'est depuis que tu es petite que tu faisais souvent la pâtisserie ici à la maison. Tu nous prenais ici, là, tu fais les recettes, après tu dis qu'on goûte. Tout voilà que tu veux ouvrir le restaurant aujourd'hui. C'est quelque chose qui parle dans toi depuis longtemps. Après un moment, c'est comme si tu avais eu un trou de mémoire. C'est comme si tu as perdu la mémoire. Tu as oublié que quand tu étais petite, tu faisais déjà ça. Tu veux ouvrir l'école. Quand tu étais petite, Ngo, je suis pas là pour expliquer ce qui se passe dans ta vie. Voilà. Il y en a parmi vous, vous m'avez vu dans votre rêve avant de me rencontrer dans le téléphone. Ça veut dire que j'ai des enseignements pour vous. J'ai au moins 400 vidéos en ligne sur TikTok ou sur Facebook. Allez voir mes vidéos. Allez écouter mes vidéos. Vous ne voulez pas écouter, vous laissez. Ok? Voilà, continuez dans votre chemin. C'est ça la vie. Donc tu vas te rendre compte que on va te dire que depuis que tu es petite, tu as aligné souvent les enfants des voisins comme ça là. Tu dis que je suis la maîtresse. Tu dis asseyez-vous, debout. Tada. C'était déjà dans toi. C'était dans toi. Bene, bene. Bene. Certains d'entre vous, ce sont les membres de votre famille qui vous ont attaqué.
quand tu étais petit et inoffensif, ils ont détecté ce que tu devais faire. Ils ont lu ton aura. Et ils sont allés, ils ont mis comme une pierre à l'entrée de ta grotte. Maintenant, nous sommes dans une ère où les guides se baladent et ils activent les gens. Il y a un déblocage de masse qui est en train de se passer. Et il y en a parmi vous, il y a des paroles que quand, dès que tu écoutes, ça te débloque. C'est comme l'aiguille sur le ballon. Pouf, ça te débloque. Dès que tu écoutes, dès que tu entends, ça t'active. Et dès que tu es activé, tu auras comme une avalanche d'anciennes pensées. Et il y en a parmi vous que vous êtes très fort. Tu as une résistance au père. Tu n'abandonnes pas. C'est pour ça que certains parmi vous, quand vous êtes, depuis que vous êtes tombé sur ma page, c'est comme si vous êtes scotché dessus. Vous écoutez, quand tu écoutes, c'est comme si ça remplit une bassine dans ton cœur. C'est comme si ça remplit quelque chose dans toi. Tu dis que j'ai déjà téléchargé saison 1. Après, tu remplis saison 2. Après, tu remplis saison 3. Tu es en train de restaurer. Donc, c'est comme si ton logiciel, voilà. Ton logiciel est en train d'être restauré. Tu vois, quand tu perds, c'est un fichier. Et on dit qu'on a restauré la mémoire. Quand tu mets dans l'ordinateur, ça fait récupération des fichiers. Récupération des fichiers. Récupération des fichiers. Les fichiers, là, c'est la puissance. Et Ningoma, tu as gagné un blocage. Je vais te bloquer. Ne viens pas dans mon direct, tu poses tes questions. J'en ai rien à foutre de tes questions. Voilà. Va poser ça à Google. Google va te répondre. Parce que moi, je connais. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous rappeler des idées que vous aviez avant. Vous allez vous rappeler de qui vous étiez avant. Qui parle de fichiers parle de pouvoir. C'est pour ça que vous devez joindre à l'écoute, vous devez joindre l'action. Quand je rencontre quelqu'un qui ne se lave pas, c'est le minimum. Je n'ai même pas envie de lui parler. Bonjour, je te suis. Tu te laves au sel? Non. Tu as perdu mon intérêt. Tu as perdu mon intérêt. À un moment, tu vas ressentir ça, tu vas t'élever. Il faut que je parte dans tel pays. Il faut que je parte faire ça. Il faut que je fasse ceci. Oui. Et je vous dis encore une autre chose. Pendant que vous m'écoutez, la prison, vous savez qu'il y a des gens qui sont là debout, ici, là, éveillés, et ils sont en train de travailler dans notre monde, non? Vous savez ça, non? Donc, comme tu m'écoutes, tu as ton téléphone en main. Je vois quelqu'un que je suis en train de sortir d'un champ. Tu as le téléphone en main comme ça, là. Mais pendant que tu m'écoutes, je suis en train de te sortir d'un champ dans lequel on t'avait mis. Tu es en train de travailler. C'est comme une voix lointaine qui vient te sortir de là.
Tu te laves 10 fois par jour avec le sel. Il y a des personnes dans votre famille qui savent exactement la cause de vos problèmes. Ils savent. Je vais juste vérifier la porte. Je vais laisser la porte ouverte. Je vais vérifier une dernière fois que je vais. Si vous n'avez rien oublié, et puis c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Votre ami est arrivé? Oui, 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 il dort. Okay. Mm-hmm. Merci. Pardon. Oui, 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 j'ai mis Gozem. Oui, 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 oui. Mm-hmm. Merci, c'est gentil. Je vous perturbe pour vous faire quoi? Il dit que j'arrête de perturber les âmes faibles. Est-ce que j'enseigne comme ça? Je vous ai demandé quelque chose depuis. Je vous ai demandé quelque chose. Je vous ai invité dans mon église. Vous voyez que TikTok me paye pour les vues. Hein? N'est pas TikTok va me donner l'argent après que... Bravo, vous avez eu 5000 vues. Recevez 500 euros. Jamais. Voilà. Je fais parce que je fais, je sais ce que je fais. Et là, on parle de votre âme. On parle de votre âme. On parle de votre âme. Parfois, quand tu restes comme ça, tu ne te dis pas. Je viens même d'où? Je pars où? Si je meurs, qu'est-ce qui se passe? Hein? Parfois, quand on te débloque, en fait, quand on me débloque, ça me fait plus peur parce que je me dis que si jamais j'ai pensé que j'étais débloquée, donc les 20 ans que j'ai vécu là, les 30 ans que j'ai vécu là, dont j'étais bloquée, ça veut dire que même maintenant, je suis bloquée. Hein? Tu as payé la consultation, tu as attendu plus de 2 mois. Pendant les 2 mois, là, tu te laves au sel, chérie. J'ai déjà fait un lavage sur toi un jour. Je préfère que vous preniez mon lavage à distance au lieu de prendre ma consultation. Parce que la consultation, c'est pour les égoïstes. Vous voulez me parler. Vous préférez me parler au lieu de vous traiter. Tu as compris, Émilie? Tu m'as vu à l'aéroport de Cotonou, tu ne m'as pas salué, non. La tête te bloque. Voilà. Tu as dit quand vous voulez me saluer. Voilà. Tu m'as vu à l'aéroport de Cotonou. Il te bloque. Tu me vois, tu ne me salues pas. Après, tu viens me dire, je te bloque. Voilà. Ça veut dire que vous, si vous dans votre cœur, vous me prenez pour une sorcière. Tu me vois, tu me salues. Tu ne me salues pas, je te bloque. Ça veut dire que tu bois le jus. Ah, je t'avais remboursé, super. Moi, il rembourse moi les gens, mamie. Il rembourse moi. Il rembourse, oh, mamie. Hey. Ça n'en va pas dire que, pardon, remettez leur argent. Donc, c'est bien. C'est que c'était vraiment moi. Mm-hmm. Et si elle te rembourse, tu pars, tu ne veux pas qu'elle travaille sur toi. Ça veut dire que tu n'étais pas ma personne. Faut moi qu'elle te bloque. La tête te bloque. Tu as compris, chérie. Bye, Emily. J'ai souvent les envies très très intenses de bloquer les gens. Vraiment, je m'excuse. Elle dit qu'on n'a plus rien à dire ensemble. Tout ce que tu as dit sur ton dernier direct hier soir, on m'a montré exactement la même chose dans mes rêves. Ça, c'est super. Une de mes cousines m'avait dit que je resterais toujours malade tant que mon père qui... ne lui demanderait pas pardon. Ah,
Pourtant, c'est mon père qui a tout fait pour elle. Christelle, moi, il ne peut pas travailler sur toi, Christelle. Toi-même, ton cœur, là, il y a des trucs dans ton cœur. Tu as un esprit un peu... Christelle, ton esprit un peu... Tu as quelqu'un derrière toi. Tu n'es pas seule. Et celui qui est derrière toi, là, ne me plaît pas. Depuis là, j'ai envie de te bloquer, mais... c'est pas important pour le moment. Depuis que tu me suis, il y a une voix qui te dit fonce. En vrai, le commerce, j'aime le commerce, mais j'ai peur de me lancer. Hop. Mais si vous êtes. Tu vas me remercier pourquoi? Alors que tu n'as pas lancé ton activité. Et tu vas me dire, je ne te bloque pas. Je te donne 2 semaines pour te lancer. Tu ne te lances pas. Je vais te chercher. Mais ligne Yapo. Voilà. Si vous avez ouvert les yeux, vous n'avez rien fait. C'est que quittez. Vous voyez que sur une vidéo sur TikTok que tu regardes, après tu dis, oh, tu te couches, tu dors, tu es contente. Lâche-toi seul, putain. C'est dur. Voilà l'autre qui avait bloqué, Rosita. Maman, oh, elle fait l'émoji de pleurs. Attends, elle te bloque. On ne fait pas, on ne pleure pas ici. Même dans le rêve. Si tu rêves que tu es en train de pleurer devant moi, tu te réveilles. T'as des bêtises là ici. Tu pleures sur la page de qui? Je ne fais pas les consultations. Achète un de mes produits. Tu commences à te laver avec le sel. Après, tu payes un lavage à distance. Je travaille sur toi. Voilà. C'est tout. Ne cherchez pas à me parler. Tu me demandes de cligner des yeux parce que ça t'appelle. Avec ta grosse tête. Mof. Tu es bloqué à tous les niveaux. Hein. Les hommes mariés sont derrière toi. Tu es obligé de coucher avec les hommes. Tu ne peux pas fermer tes fesses. C'est même qui ça. Quitte aussi, non. Les hommes mariés sont derrière moi. Tu fais les bains de sel, tes activités ne bougent pas. Prends le donne-moi tout. J'ai les produits que je vends. Vous n'achetez pas mes produits. Parce que vous buvez le jus. Et vous êtes chiche. Et vous êtes pauvre. Excusez-moi, c'est comme ça que je suis. Moi, même si je tombe sur une vidéo d'une femme qui parle comme moi, c'est qu'elle veut quitter vite. Si je tombe sur une femme qui parle comme moi, elle veut quitter sur sa page. Je ne sais pas comment vous faites pour me supporter. Je ne sais pas comment vous faites. Ils ont mis l'esprit de rejet sur toi. Est-ce que tu te laves avec le sel alors, papa? Si je tombe sur la vidéo d'une femme qui parle comme moi, elle va m'énerver jusqu'à... Je comprends les gens qui m'insultent. Ceux qui veulent m'insulter, ils veulent fuir. Je vais insulter la femme, elle veut quitter sur sa page. C'est quoi? Mince. Le lavage à distance, c'est 50 000, mamie. 50 000. Viens avec le sel. Tu m'y avais même 10 000 ou 15 000 dans mon local. On va te donner les produits. Que l'amour supporte, c'est ça qu'on vous a dit. Avant d'écrire, vous allez réfléchir. J'étais au Gabon hier. Quand je suis au Gabon, est-ce que vous venez me voir? Moi, je quitte là-bas. Bonsoir. Chiche pauvre, c'est pas bon. Reza Dini, mouf, grosse tête. C'est vu, non? On te suit devant pourquoi? Parce que tu parles mal que je t'écoute. Sunshine, tu as peur de commenter, tu regardes seulement, tu ne veux pas que tu bloques. Pardon, priez, tout m'en passe seulement fait. Ne venez pas m'écouter seulement, vous dire que merci, merci. Je ne veux pas votre merci. Tu as perdu ton frère et tu es tombé sur mes vidéos, ça a commencé à te remotiver. Tu dois te connecter avec ton frère. Si ton frère est décédé, ça veut dire qu'il est encore là. Les morts ne sont pas morts. Le lavage à distance, tu as commencé les produits. Lui de Benda, tu as en Gaoundéré. Le lavage à distance, c'est 50 000. Il y a des périodes où je suis en promotion. Non, Yaoundé, je viens tous les 3 mois. Non, je ne suis pas Lion, je suis Scorpion. Tu es au Congo Brazza. Tu nous écris, non? Le numéro est dans la page. Pour se connecter avec les morts, il faut d'abord nettoyer leur tombe, demander une messe à leur honneur.
C'est accusé de ça, tu es ici. Quand il vient en Côte d'Ivoire, vous ne venez pas me voir. Faut me laisser, pardon. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Je suis, mon local est à Abidjan et à Bellecôte. À Bellecôte, en face de, du groupe scolaire Les Petites Abeilles. Pas loin du supermarché Bellecôte. Si tu n'es pas résistant, la vie va te cogner. On sait que vous faites, on vous tape n'importe où. Oh, on me veut du mal dans ma famille. Mouf, la prochaine fois que quelqu'un de ta famille vient te dire, t'essaie un peu comme ça, là, mon mamie, tu fais. Et dit que, hey, tu vois comment dans ton rêve, tu tapes ta tante là. Elle vient t'essayer comme ça, là. Tu la tapes, pam, 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 pam. Elle monte maintenant, là, tout le monde dans le groupe contre toi. Oui. Elle veut montrer maintenant qu'elle connaît. Espèce, je suis une fille en ligne là qui s'appelle Reine Lumière. On vous a déjà insulté dans vos familles avec mon nom, je connais. Je connais. Oui, je tape sur vous pour vivre. C'est ça, mon. C'est comme Francis Ngannou. Tu attends ta lecture pour être mis au renté. Pardon, qui est là-bas? Écoutez, les services chez moi, n'attendez pas. Quand vous voulez prendre les services chez moi, qui de fondation, prend. Qui de désenvoûtement, prend. Qui de fondation, c'est pour les malédictions familiales. Qui de désenvoûtement, c'est pour enlever les choses dans le ventre. Là. Il y en a parmi vous, vous êtes envoûté. Vous sentez toujours qu'il y a un truc qui te contrôle. Prends le qui de désenvoûtement. Mes numéros sont dans ma page. Donc, si vous partez commander chez l'arnaqueur, j'espère qu'il va vous envoyer le vrai kit. Kit visa, ça dit ce que ça dit, non. Tu as besoin de Kaolo. Kit célébrité, ça dit ce que ça fait, non. Kit commerce, ça dit ce que ça fait, non. Voilà. Et puis, si tu ne veux pas prendre, ne prends pas. Parce que tu peux prendre, tu laisses à la maison, tu n'utilises pas. Tu auras dépensé ton argent pour rien. Christelle Moukassa. Prends le kit des envoûtements, Christelle Moukassa. Toi, là, il faut un travail très fort. Il y a des esprits derrière toi. Quelqu'un travaille sur toi, bien même pour te bloquer. Ça ressemble à un truc ancestral. Pour toi, Christelle. Pour, moi, je ne veux pas travailler ça pour ça maintenant. RDC, on envoie, on poste en RDC. Je ne suis pas là pour interpréter vos rêves, je vous en prie. Résistez à l'envie de m'écrire vos rêves. J'ai 4 numéros. Prends, tu n'as pas vu que les index des pays sont différents. On n'est pas sur ma page, on est bête. On n'est pas belle et bête ici. On est belle et riche. On n'est pas belle et bête. Vous avez plusieurs numéros. C'est comme ça que l'arnaqueur vient, il te dit bonjour, voici le vrai numéro. Donc je suis folle avant de mettre 4 numéros sur ma page. Je suis folle, non? D'accord, continuez. Vous allez chanter, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Vous allez chanter. Il y a travail, travail. Le sel que tu fais sur toi chaque jour là, c'est le niveau zéro. C'est le niveau zéro. Et vous n'aimez pas dépenser. On dépense sur son travail spirituel, s'il vous plaît. Quitte célébrité, c'est 85 000 francs au Cameroun. On dépense sur son travail spirituel. Tu connais aller faroter, faire l'anniversaire à 400 000 francs CFA. Tu fais le kiosque pendant l'anniversaire à 400 000. Tu ne peux pas sortir 100 000 pour travailler sur toi. Continue.
Ton fiancé t'a chassé et quelqu'un vit déjà chez lui. Que faire? Refais-toi une nouvelle vie. Franck, est-ce que tu es en Allemagne? Franck, tu es dans quel pays? Est-ce que tu es ingénieur, Franck? Ta famille a beaucoup. Tu es un leader. Tu dois être un truc de leadership. Ta famille a bloqué ça. Franck, là, Franck, c'était guette, je sais pas trop quoi. Il n'y a pas le numéro du Bénin. C'est aujourd'hui que j'ai pris le numéro au Bénin. Je n'ai même pas encore écrit le numéro moi-même. Mon numéro du Bénin est quelque part là-bas. Attendez, je vais vous donner. On fait comment pour voir son numéro au Bénin? Dites-moi alors. Ils sont où? Dites-moi comment on fait pour voir le numéro. J'ai la puce MTN et Move. Voici mon téléphone du Bénin. Cherchez-les. Ils sont où? Tu as été victime d'une attaque. Ça t'a créé les problèmes au ventre. Prends le kit des envoûtements. Tu mets beaucoup de blindage sur le ventre et sur la poitrine. Les flèches mystiques, ça existe. Franck, tu dois partir normalement en Allemagne. Tu dois être en Allemagne ou Suède. Franck, c'est les deux pays là-bas. Le kit depuis le Cameroun, ça commence à partir de 70 000 à montant. Quand tu prends le kit, si tu peux, paye pour que je travaille sur toi moi-même. Christelle Moukassa, quand elle va commencer à travailler sur toi, je vois derrière les entités qui vont venir. Quand elle vous lit, chacun d'entre vous là, je vois vos énergies. Attendez, on fait comment pour voir? Moi, j'ai reçu une flèche, mais Dieu m'a sauvé. Ok, mamie, si t'as sauvé, ça va, non? Ok, déjà que j'ai trop de personnes. On envoie en Angleterre par DHL. Comment on fait pour voir son numéro ici, là? Et... le kit, c'est 70 000 en montant. En Côte d'Ivoire, c'est 100 000. Oh, non. Je ne connais pas comment on fait pour voir son numéro. Oh. Les numéros sont là pour le Cameroun, c'est le 237 693 50 22 66. Ah, monsieur notification, tu ne te fatigues pas. Tu viens dans tous les directs faire tes bêtises là. Il te bloque. Je ne lis pas, je ne vous lis pas. Quand j'enseigne, commence à te laver au sel. Lave ton pipi. Sel et pipi au moins deux fois par semaine. Ça, c'est déjà pour. Ça va déjà enlever certains blocages sur toi. De l'Europe, on envoie sur n'importe les quatre numéros. Commence par le premier numéro. Et dans la bio, tu vas voir un lien Bit.ly. Clique dessus, c'est un numéro WhatsApp. Vous ne me lisez jamais. Je ne te lis jamais, effectivement. Au Burkina, on a un numéro. Est-ce que je connais alors? Prenez le numéro de la Côte d'Ivoire. Plus 237 693 50 22 66. Rudolf, tu fais quoi en Égypte? C'est le travail ou c'est quoi? Qui t'amène là-bas? Relation sérieuse, c'est pas ton problème, Géraldine. Parfois, vous, les femmes, vous êtes puissantes, mais vous avez le mauvais focus. Tu veux la relation sérieuse. Bonjour, Sophia du Sénégal. Je ne fonctionne pas dans l'urgence. Christelle, je te vois déjà. Premièrement, tu vas pleurer l'argent. Deuxièmement, il y a trop de problèmes sur toi, trop d'entités derrière. Troisièmement, même ton cœur. Tu as déjà des personnes là que tu en veux trop aux gens. Pour toi, c'est tout le monde qui est la cause de ton problème. C'est pour ça qu'il ne veut pas travailler sur toi. Je ne prends pas tout le monde. Ça va sur les agents de lumière. Le numéro de la Côte d'Ivoire, 07 79 02 52 05. Je viendrai au Mali. Je vais venir voir l'école de spiritus, c'est l'école de sorcellerie qu'on a ouvert au Mali là. Ça me plaît.
au travail sur recommandation d'une partie de la famille. Ouais. Un peu comme si on t'a enfoui là-bas. Parce que tu n'es pas venu vraiment faire ce que tu es censé faire en Égypte, monsieur. Tu as des racines égyptiennes, mais tu n'as pas activé. Tu es une sorte de précurseur, quelqu'un qui est censé délivrer même d'autres personnes. Non, non, j'ai dit école de sorcellerie. J'ai dit école de sorcellerie. Je suis une sorcière, monsieur. Ne te dérange même pas. Ne te dérange pas. Tu es au Canada, le numéro est dans la bio. Il dit bien même sorcellerie. Guinée équatoriale, mes numéros sont dans la bio. Si on pouvait enseigner à nos enfants, s'ils pouvaient apprendre à nouveau. Numéro de Côte d'Ivoire, 225 07 79 02 52 05. Et c'est dans ma bio. Tu aimes mes enseignements, ne cherche pas à causer avec moi maintenant. Achète mes produits, tu commences à utiliser. Ne cherchez pas à me parler. Vous allez faire, je vais bloquer toutes les consultations. Je ne ferai que les lectures de cartes. Tu payes, je lis ta carte. 4 minutes ou 3 minutes, je t'envoie ton truc. Ça ne te plaît pas, tu laisses. Généralement, vous ne voulez pas prendre le temps pour écouter ce que j'ai dit. Vous voulez venir me parler pour me casser les oreilles. Tout ce que j'ai dit ici, je vais encore te dire ça dans la consultation. Je ne te regarde pas, Odette. Mof, regarde-moi. Il travaille pour toi. Donc, tu as les tendances bizarres, hein, que prononce mon nom. Prends le kit fondation pour commencer. Après, tu prends le kit déblocage. Dubaï, je viendrai bientôt. Apparemment, les Camerounais ont gâté Dubaï. Donc, pour aller là-bas maintenant, c'est compliqué. Tu dois rentrer dans ton pays ou chercher à aller ailleurs. Connecte-toi au pays où tu te trouves. Tu n'es pas en Égypte par hasard, monsieur Rodolphe. Connecte-toi d'abord au pays. Fais beaucoup de libation. Active ta spiritualité en étant en Égypte. L'Égypte est une terre très spirituelle. On poste aux États-Unis. Salut, Sophia. Quitte fondation en France, on n'envoie pas la poste. C'est 230 euros. Tu reçois après 10 jours environ. Oui, lecture de carte, tu écris, tu demandes la lecture, tu payes 20 000 par PayPal. Tous les paiements chez moi se font par PayPal. Même les dons. C'est que vous aimez qu'on vous force pour les dons. Je vous donne les numéros pour faire les paiements. Orange Money et Wave de la Côte d'Ivoire. Je donne. 225. C'est aussi Wave. 225 07 79 02 52 05. Ça, c'est WhatsApp aussi. Donc, tu écris quand tu as fait ton paiement, tu écris, tu le montres. Je vais vous donner PayPal. PayPal, c'est Aurélie. Oui, l'Égypte est très spirituelle. Le PayPal, c'est Aurélie. A-U-R-E-L-I-E. Aurélie. Michel. M-I-C-H-E-L-L-E. Ton téléphone était éteint. Tu es une pava. Ton téléphone est éteint pourquoi? Là, tu viens nous dire, si tu n'as pas honte que mon téléphone était éteint, j'ai raté quoi? Pava. 025205. C'est ça, Sandra. Ça, c'est le numéro de la Côte d'Ivoire. Dans le numéro du Gabon. Je vous redonne PayPal, pardon. PayPal, c'est Aurélie, A-U-R-E-L-I-E, Aurélie, Michel, M-I-C-H-E-L-L-E, 2017-2017,
@gmail.com. Et quand vous payez par PayPal, bye Sophia, quand vous payez par PayPal, vous précisez, vous devez remarquer que ça va convertir en livres sterling. Si c'est les dollars, ça va mettre en sterling. Si c'est les euros, ça va mettre en sterling. Et ça mettra mon nom, Reine Lumière. Et si vous ne voulez pas donner, ne donnez pas. Tout don que vous voulez me faire, si votre cœur n'est pas sur ça, ne donnez pas. Ok? Ne donnez pas. Très important. Tout ce que tu fais, fais avec ton cœur vrai, vrai. Soit tu gardes ton argent, tu achètes tes donuts, tu manges. Tu achètes tes biscuits, tu manges. Ça te plaît. Tu pars aux toilettes, tu fais caca, ça sort. C'est ça le principe de la vie. Voilà. Donc, si tu es au Gabon, 074-18-0080. Un mot pour toi. Elodie, ne t'amuse pas avec moi, mouf. Donc, au Gabon, Airtel Money, 074-18-0080. Le nom qu'on vous donne généralement pour Western Union, c'est très souvent AB Solo. Soit c'est RIA. RIA passe mieux parce que Western bloque de temps en temps. Donc AB Solo, A-B-E-S-S-O-L-O. Ça c'est pour faire le RIA. AB Solo, Charles, C-H, Charles avec S à la fin. Charles, si tu ne connais pas écrit Charles, tu laisses. Charles avec S à la fin. Et le deuxième prénom c'est Bronson, B-R-O-N-S-O-N. Voilà, c'est ça le PayPal. AurélieMichel2017@gmail.com. Je viens en France quand? Je ne viens pas en France maintenant. Il y a quoi en France? Il y a quoi en France? Je travaille sur vous. Quand vous obtenez les papiers, vous venez me voir en Afrique. Et si tu viens en Afrique, tu ne viens pas me voir. Pas grave. Agnès, si tu veux commencer, prends le kit déblocage, Agnès. Je suis très agressive, Estella. Quand tu tombes sur ma vidéo, tu me vois. Tu dois te rappeler de moi. Soit en te disant que mais la femme, là, elle est tellement arrogante. Elle insulte les gens jusqu'à... Elle est bloquée. C'est bien comme je ne suis plus sur sa page. Soit toi, tu te dis que waouh. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand quelqu'un est un peu trop drôle, direct avec vous là, ça vous énerve. Vous aimez la cachotterie, l'hypocrisie. Oh ma fille, je t'aime. Je t'aime. Après, tu découvres qu'elle a mis un gros couteau dans ton dos. Vous aimez ça. J'ai un processus, j'ai un ordre dans mes kits. Kit fondation. Mouf veut dire quoi? Les Camerounais, expliquez ce que Mouf veut dire. Quelle est la définition de Mouf? Allez sur Google, vous écrivez Mouf. Donc, on continue. Vous devez avoir la capacité d'être autonome. Pas d'hypocrisie. Que quelqu'un ne t'influence pas avec les flatteries. Candy, le numéro est dans ma bio. Va regarder là où il y a ma page. Tu vas voir le numéro. Donc, le kit fondation, c'est tu as les malédictions familiales. Donc, tu viens d'arriver, tu commences ton bain de sel. Une semaine, deux semaines. Si tu as un peu d'argent, tu achètes le kit fondation d'abord. Bam! Avec la poudre jaune. Poudre jaune et huile de blindage en extra. Les deux là vont t'aider. Pourquoi? Poudre jaune va t'aider pour les poisons de nuit. Ça va t'aider aussi pour faire ton lavage. Tu rajoutes la poudre jaune là avec le sel. Tu mets ça avec le sel. Et tu te réveilles le matin, tu lèches la poudre jaune. Parfois, quand tu es comme ça, tu te sens bizarre. Tu prends la poudre là, tu lèches. Ça remet ton énergie à toi. Oui. Après, le kit fondation. Tu demandes un lavage à distance. Si en payant le kit, tu as l'argent, tu payes ton lavage en même temps. Le lavage, je le fais toutes les 3 semaines. Donc, ça, c'est pour libérer ton énergie. Généralement, quand vous tombez sur mes vidéos et que vous vous décidez que bon, voyez un peu ce que la femme s'y a donné. Je vais acheter un de ces produits pour voir. Il y a généralement les trous dans lesquels vous êtes depuis des années. Et quand vous commencez à écouter mes vidéos, les gens là vous voient. Ils savent que vous avez commencé à m'écouter. Le roi des ténèbres me connaît. On se connaît bien. Donc, quand tu commences à regarder, ils connaissent. Ce qui fait qu'ils veulent venir te décourager. Quand tu prends le kit fondation,
C'est là pour enlever les racines familiales négatives. Tu fais ça avec 3 jours ou 7 jours de jeûne. Après le kit là, tu demandes le lavage à distance. Après ou pendant le kit, tu demandes le lavage à distance. Il y a aussi le rituel de détachement. Certains parmi vous, vous êtes attachés à travers vos familles. Et dans les lavages, il y a le lavage de déblocage, lavage de fondation, lavage attirance. Il y a le kit attirance. La majorité des kits que vous prenez, prenez d'abord le kit fondation. Le kit fondation, c'est un peu comme si on ratissait la maison. Fondation, non. Tu mets la maison, la fondation avant de construire la maison, non. Maintenant, tous les 3 à 6 mois, tu peux reprendre un autre kit fondation. Ça, c'est pour te rebooster. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Et je fais quoi? Puis-je payer pour le nettoyage de mon partenaire à mon insu, à son insu? Sunshine, j'ai eu beaucoup cette question-là. J'ai eu beaucoup de personnes que j'ai consultées récemment. Et si tu connais que ta personne, ce n'est pas quelqu'un qui va vouloir écouter quelque chose. Parce que moi, je ne fais pas moi le faux travail. Je ne suis pas dans les trucs où c'était pour la contrôler. C'était pour qu'elle écoute, mais je la manipule, qu'elle fait ce que je veux, il fait ce que je veux. Je ne fais pas moi le genre de travail-là. Donc, si tu aimes ta personne, tu peux payer. Je travaille avec le cœur que tu as, toi, le cœur de la personne qui paye pour le lavage de quelqu'un. C'est le cœur-là que j'utilise. Si ton cœur est mauvais, ne crois pas que tu vas venir faire du mal à quelqu'un en passant par moi. Never. Ça va même rentrer sur toi. Parce que souvent, les gens ont les mauvaises intentions, ils viennent payer en faisant comme si, ah, je veux que la mère de mes enfants avance, alors que lui-même, là, il veut qu'elle tombe. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, tu peux payer pour ta personne sans lui dire. Je travaille de telle façon que même si la personne voit sa vidéo, et ce qui fait que si tu payes, on travaille, je t'en prie, si je t'envoie une photo, une vidéo, il faut effacer. Parce que la personne, si elle tombe sur ça, elle va commencer à dire qu'il y a des personnes qui sont pas ouvertes d'esprit. Elle ne va pas croire que, wow, voilà, il travaille derrière sur moi. Voilà la sorcellerie, wow. Alors que c'est ça qui a fait même qu'elle obtient le boulot qu'elle est en train d'avoir maintenant là. Donc soyez très prudent. Le kit fondation, c'est 70 000 francs. La lecture de cartes, pour que je vous lise, c'est 20 000. Mais vous ne me parlez pas quand je vous lis. Je vous envoie ce même message que vous écoutez. Il y a des personnes qui sont un peu plus avancées dans la spiritualité et qui veulent vraiment aller plus loin. Si c'est que tu m'écoutes, tu es déjà spirituel. On se fait 15 minutes de conversation rapide, 80 000. J'appellerai ça une conversation, même pas une consultation. Parce qu'il y a des personnes que dès que je commence à te parler, je sens ta vibration est déjà... Tu travailles déjà sur toi depuis. Quelqu'un qui vient de commencer à travailler sur lui maintenant et quelqu'un qui travaille sur lui depuis 3 ans, 10 ans ou quelqu'un que sa mère travaillait sur lui, vos énergies sont différentes. Celui qui ne travaille pas sur lui, il a toujours un peu de blocage. Il arrive quelque part, on veut toujours lui refuser quelque chose. Il y a des faux petits blocages là. Alors que quelqu'un que ça coule déjà. De temps en temps, elle va dans les orphelins, elle fait ses dons, elle fait ses salakas, des trucs comme ça. Elle se lave avec le sel, elle a l'habitude de prier. C'est différent. C'est 32 euros. 20 000 pour moi, c'est 32 euros. Donc quand tu vas envoyer, ça va s'afficher 20 900. 32 euros là, c'est 20 900. Tu m'envoies 32 euros. Tu ne veux pas, tu laisses. C'est moi qui ai dit 32 euros. Tu es au Cameroun, tu payes 20 350. Tu payes 20 900. En dollars, c'est 35 dollars. Et il y a le kit désenvoûtement aussi. Donc après le kit fondation, tu peux faire un mois, tu prends le kit désenvoûtement. Le kit désenvoûtement maintenant, ça a beaucoup de trucs à boire. Donc ne prends pas ça pendant la grossesse. Et même si tu es enceinte, tu achètes un des kits. Il y a la poudre, il y a une poudre noire dedans là. Ne prends pas ça. C'est tout. C'est pas que ça va retirer ton enfant, mais je peux être plus prudent. Si tu es enceinte, il faut d'abord demander. Ça dépend de l'avancement de ta grossesse. Si on a déjà fait le kit fondation,
si on a déjà une fondation, comment? Tu as fait le kit fondation ou bien tu as une fondation spirituelle? Votre problème aussi parfois, c'est que quand vous partez ailleurs, on travaille sur vous. Quand vous arrivez chez moi, vous venez, vous voulez me donner votre diagnostic d'avant. Oui, on m'a dit que j'avais ça, que j'ai 5 maris de nuit. Oui, qu'on m'a enfermé dans 5 forteresses. Je dis seulement que non, pardon, laissez-moi. Je ne veux pas. Oui, envoie au nom de Erika Merveille. Si c'est le western que tu veux faire, oui. Envoie au nom de Erika. Tu as perdu ton ami de longue date et tu as l'impression que c'était à cause du bain de sel. Le bain de sel fait partie beaucoup de personnes qui étaient mauvaises à côté de toi. C'est parfois aussi certaines personnes qui n'étaient pas bien pour ta destinée. On ne fait pas le bain de pipi le soir, on fait le matin. Pourquoi vous aimez ça? Si tu as vu quelque part ce que la bonne a dit le matin, non. Pourquoi toi tu vas venir dire que le soir? C'est quoi votre problème? Hein? Pourquoi vous aimez ça? Vous voulez tout montrer que pour vous c'est à part. Pour vous c'est spécial, n'est-ce pas? Na special people. Special people. Lucas, j'enseigne la spiritualité qui m'est dite et guidée. Très peu d'enseignements, je les prends sous la toile. Très peu. La majorité des choses que je vous donne ici, je me mets comme ça, on parle, on me dit, je dis. Ce qui fait que je n'enseigne pas pour vous impressionner. C'est pour ça que vous voyez, je fais de mon mieux pour chasser beaucoup de personnes de mon direct. Parce que je ne suis pas là pour essayer d'avoir les likes. Je donne le message qu'on me donne. Et je sais que quand je parle, parce que certains d'entre vous, on est dans la même fratrie spirituelle. On est dans la même cour. On a le même sang. Il y en a parmi vous, quand vous me voyez, vous êtes sûr qu'on se connaît. Donc, il y a un truc en vous, que je suis sûr qu'il connaît la femme aussi. On est de la même fratrie. Mais on s'est réincarné juste dans des endroits différents. Le dépôt OMC au nom de Abbé Solo. Oui, c'est ça. Maintenant, quand tu... Ce qui fait que même si tu fais souvent 1 mois, 2 mois, tu ne me parles pas. 4 mois, tu regardes mes vidéos quand tu en as besoin. Et quand tu regardes, ça te donne exactement de quoi tu as besoin. C'est vraiment tac, tac, tac. Si à un moment, tu as gradué, tu es parti dans un autre niveau, tu vas quitter sur mes vidéos seul. C'est pour ça que je ne force pas quelqu'un à suivre mes vidéos. Je ne force pas quelqu'un à suivre mes vidéos. Même la dîme, si tu vois que tu vas payer ta dîme chez moi, après tu vas vouloir me faire le chantage. Mamie, ne paye plus ta dîme. Ne paye plus ta dîme. Tu as compris? Mange ta dîme, tu peux aux toilettes, tu chies. Tu as compris, non, maman? C'est comme ça. Un guide spirituel, c'est quelqu'un qui doit savoir se maîtriser seul d'abord. D'abord. Sans qu'il n'y ait personne. Un leader, c'est celui qui peut se conduire quand il n'y a personne qui regarde. Si tu ne connais pas la dîme, je ne suis pas là pour enseigner la dîme aujourd'hui. Si vous connaissez, dites-lui dans le commentaire. Voilà. Et je vous dis même encore, il y en a que, en toutes ces années que je fais ce que je fais, je peux vous dire le nombre de personnes qui sont venues à côté de moi pour m'exploiter. Certaines sont venues de loin. C'était leur démon qui les amenait vers moi. Elles arrivent, c'est seulement la confrontation. Elles arrivent à faire la concurrence avec moi. Elles arrivent, c'est la concurrence, mamie. Ma part de beauté, comme tu vois là, c'est comme Dieu m'a donné. Mes dons là, je ne peux pas t'expliquer. Moi-même, je ne peux pas t'expliquer mes dons. Tu me dis que tu es belle. Aristide, ne t'amuse pas avec moi. Aristide, est-ce que tu sais que quelqu'un est venu m'insulter ici là? Que toi et Aristide, vous allez voir. On a quel ami en commun, Aristide? Hein, papa? Signale. On a qui en commun, toi et moi? Hum? Et la personne avait la rage, hein? La personne avait la rage. Je sens que ton agent dérange la femme là jusqu'à. On se connaît depuis longtemps, Aristide. Ce qui se passe maintenant là, on avait vu ça depuis longtemps. Quand ton homme, ça t'a dépassé. Papa, laisse comme ça.
Ils ne savent pas d'où on sort. Ils ne savent pas ce qu'on a traversé. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est le bon cœur. Quand tu as le cœur noir, tes choses ne marchent pas. Je vous dis ça dans les vidéos chaque jour. Le noir cœur ne donne rien. Maman, la femme est venue insulter ici sur une de mes vidéos. Insulter. J'ai dit que toi et Aristide, vous allez voir. Vous allez souffrir. J'ai dit que yey. Je la connais moi. J'ai quitté la Belgique depuis. J'ai quitté la Belgique depuis longtemps. Aristide, quitte là-bas. Quitte mon direct. Que tu es belle jusqu'à. Merci pour le compliment. Mais sors de mon direct maintenant. Ils vont me déranger. Que la Belgique n'est pas un bon pays. Pardon, ne parle même plus. Pour travailler sur ton partenaire, ça dépend du travail que tu veux faire. Ça dépend. J'ai beaucoup d'hommes. Que vous, les femmes, là, vous avez à parler à vos gars jusqu'à. J'ai consulté au moins deux gars de récemment. Que leurs femmes me suivent depuis. Merci beaucoup, Aristide. Merci. Toi-même, tu sais que. Je sais que tes pensées envers moi ont toujours été pures depuis longtemps. Et toi-même, tu sais que mes pensées envers toi ont toujours été pures. C'est pour ça que nos choses se donnent. Mm-hmm. J'ai dit. Mais j'ai consulté deux hommes. Tu vois, il dit que, oui, ma copine vous suit depuis, hein. Oui, c'est même elle qui m'a donné votre contact. Et il dit que, yes, vous avez fait les banques de sel, vous avez parlé sur vos gars. Hein? Jusqu'à vos gars ont payé la consultation. Ils ont sorti 80 000 payer ma consultation. Que, oui, ma copine me dit que, j'ai dit yes. Que yes. Mais c'est bien parce que ça les aide aussi. Oui. Ma beauté est légale. Hein. J'ai pris l'autorisation pour être belle comme ça. Ne vous dérangez pas. Et ça n'a même pas encore. Je suis même pas encore belle. Je suis pas encore belle. Mon degré de beauté n'est pas encore monté. Attendez. Vous allez porter plainte que la fille est trop belle. Laissez. Je ne vous expose pas. Et si tu te sens concerné, hein, et si tu te sens très concerné, je vois. Lise Morel, si tu n'as encore fait aucun kit, prends le kit fondation d'abord. Vous voyez que le premier kit, c'est le kit fondation. Où je parlais qu'en quelle langue? J'ai moi parlé, vous n'avez pas compris. Mais n'abandonnez pas. Il y a une islam, ne t'identifie pas, ok? Pourquoi vous faites ça? Il y a une fille ici, j'ai une parole pour toi. Ton gars m'a contacté. C'est 125 euros, c'est ce qu'il demande. Le kit fondation, c'est 70 000 au Cameroun, 230 euros en Europe, 280 dollars. La lecture, c'est 35 dollars, 32 euros et 20 000 francs CFA. Comment on fait le bain de sel? Je voudrais commencer par là. Le bain de sel est sur ma page. Sors de ma vidéo, tu vas sur la page, tu regardes le bain. Tu te sens bien depuis que tu me suis. Ça ne va pas s'arrêter. Bon, il y a une fille ici. Là, ton gars m'a contacté. Je l'ai consulté. J'ai consulté ton gars aujourd'hui. Quand je consultais ton gars... On a gâté votre relation. Ils ont vu que tu étais comme une sorte de support spirituel et tu lui ouvrais les yeux. J'espère que tu es là pour écouter. Et ils ont brisé votre relation. Ce qui fait que la seule chose qu'ils ont permis, c'est que vous ayez de bons thèmes. Vous avez gardé de bons contacts, lui et toi. Il y a de fortes chances que vous vous remettiez ensemble. Donc, je lui ai dit que je dois travailler sur lui, sur toi et sur l'enfant.
Ne dis même pas ok, je sais que tu es là. Voilà. On attaque beaucoup vos gars. Beaucoup. Le ramadan, vous êtes au 40e jour. Vous savez comment commencer le ramadan quand? J'ai envie de vous joindre à vous. Bon, tous les numéros sont dans la bio. Chena. Ok. Tu as la volonté, lave-toi avec le sel. Ta volonté avec tes actes vont se mettre ensemble. Sel et bain de pipi, ça permet à l'argent d'augmenter. Si tu pleures encore l'argent, ça veut dire que tu ne fais pas bien ton travail spirituel. Tu ne te laves pas bien au sel. Soit tu ne parles pas bien. Il n'y a pas petite consultation, mon frère. Marie, c'est back. Ok. Je reflète ce que tu vois en toi. Je reflète qui tu es. C'est parce que tu as une bonne âme que tu me vois. Si tu n'étais pas, tu n'avais pas une bonne âme, tu ne pouvais pas me voir. Voilà tous mes numéros là-bas, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon. Je vous donnerai le numéro du Bénin demain. Vous passez une bonne soirée. Je reviendrai ce soir vous voir encore. Ce que je vous ai dit qu'on est dans la même confrérie ou fratrie. Je crois que je parlais de ça. Oui. On se verra encore cette nuit. Grâce, merci. Pour l'amour. Oh, laissez-moi, il ne pas dormir, pardon. Il va aller marcher. Il va aller marcher un peu. Après, il n'est pas dormi. Ok. Attendez, écoutez. Écoutez. Vous êtes dans un moment de votre vie où on est en train de vous donner une feuille de route. Donc, vous êtes en train de recevoir beaucoup d'instructions par rapport à votre vie. Beaucoup d'instructions. Deuxièmement, je crois que c'est la semaine passée ou celui passé, la chair faisait beaucoup mal. Donc, vos pouvoirs sont en train d'augmenter. On est en train d'augmenter vos pouvoirs. On est en train d'augmenter vos pouvoirs. Pour le voyage, j'ai le kit visa. Tu dis que tu veux le kit visa. Pour ceux qui veulent le visa pour voyager. Tu prends le kit visa et tu demandes un lavage de déblocage. J'étais au Gabon hier. Quand vous voulez me voir dans un pays, payez. Arrêtez vos bêtises là. Vous venez quand. Arrêtez vos bêtises là. Je ne veux même pas vous voir. Laissez-moi. Vous ne me suivez même pas d'abord. Vous voulez me voir pourquoi? Ceux qui me suivent connaissent là où je suis. Ceux qui me suivent, vous connaissez où je suis maintenant, non? Vous connaissez dans quel pays je suis, non? Allez, je bloque. Vous savez dans quel pays je suis, non? Le numéro du Gabon est dans ma bio. Pas dans ma bio, tu prends. Tu ne veux pas, tu laisses. Arrêtez la paresse derrière moi. Quand tu tombes sur une page qui t'intéresse, tu sais le poutoulou qu'on vendait, tu allais partir chercher, voir. Voilà. Oh. Ton partenaire a dit que si quelqu'un essaie de travailler sur lui. Pardon, il connaît Power. Power passe Power. Pardon, qui t'avait tes bêtises là? Ton partenaire. Qui t'avait ces bêtises là? Les apprentis sorciers. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Tu dépenses ton argent qui n'est même pas d'abord donné. Il ne te donne pas l'argent, tu prends ton propre argent. Pour aller travailler sur quelqu'un qui lui-même ne fait pas. Donc, qui t'avait ces bêtises-là? N'est-ce pas, vous pensez que je me suis levé, j'ai dit que j'ai vu comme ça, l'arnaque en ligne marchait. J'ai dit qu'il faut que je fasse ça. Je me suis appelé moi-même. N'est-ce pas? Si c'est moi qui m'étais appelé, c'est que je suis plus devant vous. C'est que je suis plus devant vous. C'est que ma page, vous avez vu que... Pardon, bye. Laissez-moi. Je ne veux même pas discuter avec les gens qui ne comprennent pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bye. Non, ne cherchez pas à me rencontrer. Quand il parle là, vous ne comprenez pas.
Il dit, ne cherchez pas à me rencontrer. Oh, je vais te rencontrer. Je vais te rencontrer. Ne cherchez pas à me rencontrer. Demande à tes guides de faire on se rencontre. Tu vas tomber sur moi en route. Je marche en route, je marche, je prends le taxi. Je marche, tu peux me trouver dans une boutique. Je marche. Quand j'arrive dans les endroits, j'aime marcher dans les trucs communs comme tout le monde. Oui. Demain, je vais partir au marché ici, là, à Cotonou. Je vais partir au marché. Trop colérique. Attends, te bloque un peu. Tu as gardé ça pour la fin. Attends, te bloque. Je ne peux même pas manquer de te bloquer. Là, comment tu es laid. Tu ressembles aux Féman qui sont là-bas en bain. Il est aigri là-bas dans un appartement. Tu as eu l'argent, ça fait 5 ans. Et tu donnes ton faux. Tu montres que tu as les faux papiers aux petites filles qui viennent d'arriver du pays. Voilà, elle te bloque. Oui. Déjà, les gars, qu'une fille vient d'arriver du pays là. Quoi, son faux passeport qu'il a, il a fait depuis longtemps avec le nom de quelqu'un d'autre. C'est avec ça qu'il drague la fille. Mm-hmm. Avec son ancienne vieille voiture. En 2015, quand il avait porté son fait, il a acheté la voiture avec. Les sièges sont déjà vieux. Oui. L'extérieur est encore bien, mais l'intérieur est vieux. Les sièges en cuir qui sont déchirés. C'est avec ça qu'il porte la fille là. C'est comme ça qu'il est. Il se cache derrière les faux profils. Ils font ça après quand il finit de coucher avec la fille de quelqu'un, elle découvre que c'était un peu le chaos du gars. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas seule dans ma tête. Il y a 50 personnes ici. Vous êtes toujours là. Ne vous dérangez pas. Elles vont venir parler. Chacune va venir sortir sa part. Vous avez regardé le film 8 Sense. 8 Sense. Il y a 8 personnes qui partagent le même esprit. Quand celle qui est au Japon, elle connaît faire les arts martiaux. Celui qui est à Nairobi, il ne connaît pas se battre. Quand il reste conscient, il se retrouve dans une bagarre. L'esprit de la fille, là, vient entrer dans lui. Mof, il tape les gens, là, tout, 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 tout. À la fin, on le regarde, on dit que tu as appris à te battre où? Ouais, quand j'ai regardé le film, là, tout mon corps vibrait seulement. John Smuller, tu dis que c'est ça une Camerounaise, ta tête. Pardon, laissez-moi, bye. Le film, là, m'a trop plu. La partie où ils font l'amour encore, là, c'est grave. C'est là que tu comprends l'explication des couches de nuit. Une fille reste en Inde. Elle couche avec un gars qui est en Allemagne. Ils ne se sont jamais vus. Ils ne se sont jamais vus. Hein. Ils couchent ensemble jusqu'à ça. Le goût, toi même qui regarde le film, ça te plaît. Tu dis yes. Montre-nous la sorcellerie Netflix. Netflix, montre-nous la sorcellerie. Couche de nuit, mon frère. Elle se réveille. Un gars reste aux États-Unis, il rencontre une fille qui vient de Londres. Mm-hmm. Il tombe amoureux, mais. Le truc, c'est que quand on vous montre dans le film, vous pensez que c'est le film. Ce n'est pas le film. Ça s'appelle Eighth Sense. Peut-être c'est huitième sens. Ou eight, en anglais, c'est Eighth Sense. Donc, le chiffre 8 sens. 8 sens. Donc, quand ils faisaient l'amour ensemble, c'était trop bien. Donc, ils font vous enlever les limites sur les oh, cette personne est lesbienne, cette personne-là, et je sais pas, il est gay. Ils se mélangent 8 personnes sur le lit. Ils font l'amour. Sense 8, voilà, Sense 8. Comme Essie a écrit là, Sense 8, c'est comme ça. Sense, S-E-N-S-E, 8. Il se mélange sur le lit, il se mélange sur le lit, il se mélange sur le lit. Après, tu te rends compte qu'il n'était pas dans la même pièce. Il dit que non, vous avez porté la spiritualité là à un autre degré encore. Vous avez transposé ça à une autre dimension. Tu as posé une question. Je n'ai pas vu. Moi, il parlait moi des trucs. Il parlait des coucheries dans les films. Il parlait des couches de nuit et tout ça là. Oui, le Kiss Fondation,
c'est toi qui utilises, mais le lavage, c'est moi qui travaille sur toi. Et au début du film, c'est une femme qui les accouche spirituellement. Elle reste, elle donne naissance à 8 personnes sur le globe. Après, elle meurt. On la tue, bien sûr. Et ils sont connectés. Ils ont l'impression qu'ils sont connectés. Beaucoup d'entre vous, je vous ai dit que vous allez rencontrer votre famille spirituelle. You're going to meet your blood people. Tu rencontres un homme comme ça, là. Tu as ton mari à côté de toi. Mais l'homme, là, il t'attire. Mais tu sais pas ce qu'il t'attire chez lui. Ce n'est pas sexuel. C'est comme si tout ton corps... Ok, je l'ai fatigué, il faut me reposer. Attends, je te bloque. Attends, je cherche comment bloquer Coco. Voilà. Si je parle, j'ai parlé dans le direct, j'ai dormi. J'ai dormi devant vous dans le direct. Laissez-moi, je dors. C'est moi qui sais ce qui est fait. Laissez-moi, je dors. Pour ta canne. Voilà. Tu es fatigué. Tu as posé plein de questions. Je n'ai pas vu, pardon. J'ai parlé au direct, j'ai dormi hier. Allez sur mon direct d'hier, sur Facebook. J'étais couché, je parlais. À un moment, les visions ont commencé. Je fais la vision, tac, je me réveille. Je dis que hier. Après, pas encore, je reviens. Après, pas encore, je reviens. Après, j'ai arrêté. Oui. Non, j'avais bien dormi. Quand j'ai fini avec vous comme ça, j'ai encore regardé mon film. Hein. J'ai encore regardé un épisode des Vikings. Je suis en train de regarder les Vikings actuellement. Le combat des chrétiens avec les païens là. Les Vikings là. Ou c'est Valhalla, je sais pas. Le film là, le goût jusqu'à... Je suis en train de regarder il y a 2 fois. Oui. Tes frissons quand je parle, c'est parce que ton esprit entend recevoir ce que je dis. La Bible dit dans Jean 6, verset 67... Les paroles que je vous dis sont esprit et vérité. J'ai dormi dans le direct. Quand j'ai éteint le direct, j'ai encore mis mon viking là. J'ai regardé jusqu'à... Oui. Il y a un endroit où on initie la prêtresse là. Je suis dans les films, mais dans jusqu'à... La période aussi, c'est grave sur moi. Même le pain christian ne me plaît pas comme le film. Quand tu viens, tu veux manger le chocolat, tu dis que pardon, qu'il là-bas, regarde-moi mon film. Me voilà. Je regarde, on prend la prêtresse, on lui met l'habit, on la dépose sur l'autel. On commence, on lui donne un truc là comme ça, c'était un peu comme l'iboga. Elle boit, ça commence à tourner sa tête. C'est chez les blancs, hein. Ça la tourne. Oh, colo, 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 ça la tourne. On la couche sur un truc comme ça là, on la couvre d'un voile. Qui a regardé les Vikings de Valhalla? Vous voilà qu'ils prononcent même comme eux là, que les Valhalla. Qui a regardé ça? J'ai regardé aussi, la semaine passée, j'ai regardé le gars qui a le truc ici, là. Oh, qui a la flèche ici sur son front. Il s'appelle comment, le petit, là? Le maître de l'air, le petit, là. Le maître de l'air, Avatar. Voilà, c'est bien ça, Ingrid. Je vais te tirer une carte. Attends, rappelle-moi tout à l'heure. Je te fais une petite voyance. C'est bien ça. Tu es une élève de Netflix. Oui. Ok, continuons. Donc, vous allez voir que la fille a fait une initiation. Et au départ, elle ne connaît pas qui elle est. Et elle a beaucoup souffert parce que quand elle était petite, un chrétien est venu la violer. Et il a mis dans son dos une croix avec l'épée. Elle a une grosse cicatrice. Cynthia, je vais aussi te faire une carte. Tu as mis tout le nom, que Angle, maître de l'air. Oui. Il a mis une grosse croix sur son dos comme ça. Là. Il a violé. Maman, mes guides sont en train de parler. Mon néo, ils sont en train de parler. Je continue seulement à parler. Donc, elle a grandi dans la souffrance. En attendant d'abord qu'une autre partie de sa destinée s'active, elle voulait seulement se venger. Tout pour la fille, c'est qu'elle voulait se venger. Cora, le maître de l'air. Ok, merci. Moi, j'aime les films.
Moi, j'ai 5 téléphones. Je suis en train de parler avec 2. Voici encore 2. Voilà encore le troisième. Donc j'ai 5 téléphones. Sur 4, il y a Netflix. Quand la batterie finit, je ne vais pas mettre. Attends, tu as dit que je regarde quoi? Cora, le maître de l'air. Si ce n'est pas bien, tu vas me sentir. Bon, regarde ça ce soir. Donc, écoutez bien l'histoire de la jeune fille. Elle est partie. Tout ce qu'elle avait comme mission, elle voulait tuer celui qui l'a violée. J'ai besoin de prophéties, quoi. Moi, là-bas, je fais quoi avec des prophéties? Il y a un moment où je vais être une femme normale. Il faut me laisser. Elle part, elle le tue. C'est elle-même qui met le couteau dans son ventre. Quand elle finit, elle rentre. C'est comme si quand elle finit cette quête-là, c'est comme s'il fallait que les guides lui donnent quelque chose qui va la poursuivre pour l'amener là où ton autre mission va commencer. L'objectif du live, c'est que tu t'assoies, tu regardes. Ça ne t'intéresse pas, après 3 minutes, tu pars. Donc, quand elle arrive là-bas, elle finit, elle le tue. Elle sent comme si elle n'est pas rassasiée. Les choisis ont toujours des problèmes dans leur enfance. Ils ont vécu beaucoup de traumatismes dans leur enfance. Deuxièmement, les choisis, c'est des personnes que les gens peuvent suivre. Elles viennent comme ça avec 6 personnes qui sont prêtes à donner leur vie parce qu'ils veulent suivre sa cause. Imagine, tu suis quelqu'un, tu peux mourir pour venger quelqu'un qui l'a, pour tuer quelqu'un qui l'a violé. Ça n'a pas de sens, non. Mais les gens la suivaient. Et elle ne savait pas que elle est censée être la prêtresse des païens. Elle ne savait pas. Quand elle répond, quand elle le tue, après ça, elle tombe sur un homme qui veut tuer les païens. Il est découpé seulement. Bon, il y a beaucoup de barbarie dans le film, vraiment. Il y a beaucoup de barbarie. Ça s'appelle Viking de Valhalla. C'est le Valhalla, si c'est le Valhalla, si c'est quoi. Donc c'est Valhalla, V-A-H-L-A, non. Valhalla, en tout cas, face sur Netflix, tu écris Viking Valhalla, tu vas voir. C'est comme je dis la Valhalla, voilà. Il y a un H quelque part. Donc, regarde bien sa trajectoire. Quand elle finit ça, elle tombe sur un homme qui commence à tuer les gens de sa race, de son espèce. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont colonisé cette partie de l'Europe avec le christianisme. Certaines personnes sont restées dans leurs coutumes. Donc, selon cette histoire, même les Européens avaient leurs coutumes ancestrales. Et il y a un niveau où l'un de leurs chefs était parti naviguer depuis longtemps. Il a fait peut-être 5 semaines, il n'est pas rentré. Elle était prêtresse. Elle rentre de bataille. Elle demande qu'il est où. On dit qu'il n'est pas rentré. Elle dit que venez, on part. On doit faire une offrande au Dieu pour qu'il revienne. Quand ils partent sur la montagne, pendant qu'ils sont en train de sacrifier, le monsieur arrive. Dès qu'ils tuent, ils ont pris un bouc blanc. Ils sont montés, ils ont fait les offrandes. Tac, ils ont coupé la tête, ils ont pris le sang. Soulevé comme ça là. Pendant qu'ils sont en train de soulever, le monsieur retrouve la route, il arrive. Je n'aime pas trop les films nigériens parce que leurs films ça va un peu trop dans ça exagère souvent. C'est pour ça, je vais quand même regarder. J'aime les choses qui ont quand même une décence. Les films nigériens parfois ils extrapolent. C'est pour ça que j'aime pas trop. Parfois, voilà. Donc, quand elle fait l'offrande, il revient. Malheureusement, il vient, il commence à tous les tuer. Parce qu'ils se sont mélangés avec d'autres personnes, tout ça là. Donc, j'essaie un peu de vous montrer la partie qui était importante. Elle tue celui qui l'a violée. De là, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui tuait les païens comme elle. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment délicat. Hein? Aujourd'hui, la bataille se passe sur les réseaux sociaux. Mais avant, quand quelqu'un arrive quelque part, il regarde, s'il voit la croix sur toi. Il voit la croix sur toi. Il te tue, il peut te tuer carrément parce que tu es chrétien. Soit aussi les chrétiens tuaient les païens. Donc, on coupe ta tête. Donc, aussi simple que ça. Donc, quand elle retourne chez ces femmes-là, elle ne connaissait pas qu'elle est choisie. Donc, on l'amène chez ces femmes-là. C'est une sorte d'endroit d'initiation. Ils appelaient ça Opsala, je pense. Elle arrive là-bas, on la prend, on lui met la Bible blanche, on commence à faire les rituels. On lui donne un truc comme l'iboga. Elle, juste comme ça, là, elle se retrouve devant un monsieur qui voit la destinée. Et ils avaient une façon, quand ils arrivent devant le voyant.
ils prennent ta main, la main du voyant, un voyant qui est très laid. Je ne sais pas comment il peut lécher quelqu'un qui est aussi laid. Il est laid comme ça, laver le tout rugueux, bizarre. But anyway, elle prend sa main. Normalement, tu lèches sa main et puis il voit ta vie. Et c'est là qu'il commence à lui parler d'elle. Donc depuis, sa rage qu'elle avait, et c'est une bonne guerrière, elle ne savait pas. Et il lui donne des choses, il lui dit des choses le temps là qu'elle ne comprend pas. Quand il lui parle, il dit tu es la dernière, tu es ceci, tu es cela. Après, il se transforme en corbeau. Elle se réveille dans la réalité, elle voit le corbeau. Faites attention aux animaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Vous allez me donner tous les films aujourd'hui. Vous allez me donner tous les films aujourd'hui. Je vais que prendre. Ne vous dérangez pas. Ah, The Mother. Non, j'ai regardé The Mother. The Mother, c'est Jennifer Lopez, non? Non, le film n'est pas très spirituel, je pense pas. J'aime bien les films qui m'enseignent quelque chose. Donc, quand elle se réveille de son voyage, vous voyez que elle ne connaissait pas qui elle était, mais elle était ce qu'elle est. Elle ne connaissait pas qui elle était, mais elle était. Et quand on lui dit, elle se lève, tout ce qu'elle veut maintenant, c'est de tuer celui qui est en train de tuer les païens. Ça devient sa prochaine quête. Elle part, elle tue les gens, elle tue. Finalement, quand elle arrive, elle le tue lui-même. Après ça, elle se sent perdue. On l'amène encore sur une autre terre. Arrivée sur la terre, là, c'est là maintenant qu'elle découvre qu'elle est l'élu. Et c'est là maintenant que son vrai peuple est derrière elle pour la suivre. Bonsoir Arlette. C'est là que son vrai peuple est derrière elle. Mais il fallait qu'elle traverse toutes ces épreuves. Chaque épreuve m'ouvrait une partie d'elle. Elle rencontre même ce gars, elle tombe amoureuse d'un gars qui est chrétien et elle est païenne. Ils vivent leur amour quelque part. Elle s'isole sur l'île avec lui, il vit bien. Après, elle lui dit que je dois partir. Elle fait une vision ou un rêve. Elle voit, on lui montre un dessin. Après ça, elle se réveille. Elle est enceinte. Elle a laissé l'amour. Elle a laissé l'amour pour suivre sa destinée. Elle se sépare du gars. Elle ne lui dit pas qu'elle est enceinte. Parce que si elle lui disait, elle allait signer sur elle. Leslie, je vais tout vous raconter le film. Je vais vous montrer même la fin. Je vais vous dire comment ça finit. Non, je ne dirai pas la fin. Donc, elle laisse l'amour, elle part. Et c'est quand elle part, elle commence à... Elle grandit spirituellement et elle commence à guider son peuple. Quand elle accouche, à chaque étape, il y a toujours un démon qui se lève. Un démon sort là-bas et kidnappe son enfant. Il dit que ton fils, maintenant, c'est mon fils. Il veut la tuer. Elle combat encore. Et c'est à chaque combat qu'elle est élevée. Quand elle combat jusqu'à elle arrive à vaincre le monsieur là, elle prend la tête maintenant, la tête de la population. Une petite fille qui était une petite fille de rien avant. C'est une série, je crois que ça a 3 saisons. Ça s'appelle Viking Valhalla. Ah, tu dis que la série là ressemble à ta vie. J'espère que tu ne coupes pas les têtes des gens. Hein, hein mamie? La vengeance au point. Tout ça a un sens. La demoiselle et le dragon, je n'ai pas encore regardé ça. Tout ça a un sens. Et il y a certains envoûtements que, comme dit que tu as su envoûter, que c'est vous-même qui avez cherché. Certains de vos problèmes, c'est vous-même qui avez cherché. Que votre cœur là n'est pas propre. Oui, Freddys, c'est de Freddys que je parle, l'héroïne. Freddys. Maman, il y a un endroit où Freddys là est belle. Elle se réveille dans la forêt avec son gars. Ses dents sont blanches jusqu'à. Tiens, les dents sont blanches. Ingrid, je t'ai promis une carte, non? Allez. Ingrid, dis que je suis là. Ton nom, c'est Ingrid. J'ai promis la carte à qui d'autre?
Je vais tirer deux cartes à deux personnes. Ingrid, ton prénom, c'est quoi? Ok. Vous avez dit que ton nom, c'est Ingrid. Ton troisième œil est en train de s'ouvrir actuellement. Activation de ton corps. Je sens ton corps qui s'active. Et c'est tes pouvoirs. N'hésite pas, moi. Quittez sur ma page. J'ai promis deux cartes à deux personnes. Parce qu'elle connaissait les films dont je parlais. Il y a une autre personne. C'était qui? Tu t'appelles aussi Ingrid, hein? C'est bien. Non, la série dont on parle là, on tue beaucoup dedans. Hein? On coupe la tête des gens comme les blagues. Tu fais, on te tue, ce qu'on peut retirer ton cœur, on montre aux gens. On coupe ta tête, on soulève ta tête comme ça, on monte. Donc si vous êtes sensible, ne regardez pas, pardon. Non, j'ai promis à qui encore? Il y avait une deuxième personne. Quelqu'un m'a donné tout le nom de la. Le nom de. Hank. C'était qui? Bon, on ne trouve pas la personne, on laisse alors. C'était toi, Cynthia? Oui, c'était Cynthia. Oui, Cynthia. T'as une vieille âme, hein? Quand tu remontes jusqu'à peut-être Atlantis. J'ai un esprit de... Tu es très insénable. On ne peut pas te saigner totalement. Tu es aussi spontané. Tu es très spontané. Et c'est dû à ton ancienne vie. Je vois Atlantis et l'ancienne Égypte. Sur toi. Mais ton activation, tu es encore en train de la freiner. Un peu comme si tu es lente. On te montre les choses, tu ne veux pas courir. Tu veux marcher. Voilà, c'est tout. J'ai une liste d'au moins 20 personnes qui ont payé. Là, vous allez attendre. Ceux qui ont payé, vous allez attendre. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Quand je parle, je fais de la canalisation d'énergie. Donc, ce n'est pas évident que je parle et que je vous lise encore. Ça demande beaucoup d'énergie. Je ne ferai pas ça ce soir. Ceux qui ont payé, vous patientez, s'il vous plaît. N'insultez pas mes secrétaires. Wait a minute. J'ai fini. I think I have my consciousness. In a sixth dimension, that now, the harder they fall. Vous savez pas le nouveau film qui venait de sortir de Barack Obama là? Le faux film là, c'est ça. Yes. Payez les lectures, pas les consultations. Je fais les lectures de 4 à 20 000, pas les consultations. J'ai trop de personnes qui attendent pour les consultations. I think I left my consciousness in a sixth dimension. Quand il finit, j'enlève le foulard sur ma tête, pardon, que ça me libère un peu. Trop d'énergie. Hey. Bon. Ah, le monde après nous, j'ai regretté d'avoir regardé le film là. Hey. Quand je regardais le film là, j'ai senti les énergies sortir de la télé sur vite pour venir dans mon corps. Jesus. Est-ce qu'on fait ça? Hey! Tu regardes le film comme ça te tiraille. Je sentais mon esprit qui était comme s'il y avait des démons. Non. Pas tous les films qui sont bons à regarder. Wait a minute. Non, moi je peux pas regarder la deuxième partie. The harder they fall. No, I don't think I watch that one. Ah oui, les produits pour le corps. Oui, je vais vendre. J'aime beaucoup les huiles. Oh, j'aime beaucoup. I love it. Ça arrive, ma gamme de produits arrive. Et il faut aussi bien manger. Beaucoup d'entre vous, vous ne mangez pas bien. Celui qui veut le numéro du Bénin, il me donne son numéro, je le bip. Je ne connais pas mon numéro. Comme ça, tu écris mon numéro ici. Mangez bien et buvez beaucoup d'eau. Mange sain, mange la nourriture que tu as préparée toi-même ou bien tu es allé dans un bon endroit. Un endroit auquel tu te connectes pour manger. Marc, tu me tutoies et tu me dis que tu me tutoies. 963, attendez, n'écrivez plus. Si t'en écrivez plus, je prends le numéro de la fille. N'écrivez plus, je vous connais. Vous allez vouloir remplir mon truc là-bas. Bonsoir.
9, 6, 3, 15, 0, 40. Ah oui, oui, merci. D'accord, merci Yadou. Bon, je te bip, tu mets le numéro ici, là, Ojo. Tu as compris, Ojo, tu mets ton numéro ici. Hein. Décroche alors, Ojo, décroche. Décroche, non. Tu as pitié de mon crédit. Bonsoir, Ojo, ça va? Comment tu as une belle voix? Tu as une belle voix. Je sais, Ojo, je sais que c'est un nom. J'ai un ami au Cameroun qui s'appelle Ojo Kwadjo, oui. Mais je sais quand même que les, ça, c'est le nom des hommes. Comment tu vas? Tu as pris mon crédit de 100 francs. Tu vas m'envoyer le crédit de 100 francs. Tu as compris? Bon, donne-moi alors mon numéro, merci. Haïti, bonjour. Wait a minute, wait a minute. J'ai un ami qui s'appelle Kwadjo, pense. Monsieur Kwadjo, le Cameroun. Attendez, Ojo va nous donner le numéro. Ojo va écrire mon numéro ici. Là. Quand il écrit, vous n'écrivez plus. Hein. Moi, je vous connais. N'écrivez plus. Atiye. Il n'y a pas de film effrayant. Hein. Vous n'avez pas de film effrayant, s'il vous plaît. Tu es haïtienne, tu viens en Belgique. Ok. Ojo, c'est comment avec toi? C'est où d'abord le numéro? Ah, Ojo, je ris avec toi pour rien. Hein, Ojo? Où est-ce que tu dis? Tu es de mon direct. Vous voyez, on leur fait confiance, après ils nous déçoivent. Non, il va venir écrire. Ojo, il faut être ouvert d'esprit. Eh, hey, pardon, excuse ma vie. Nwili, Ojo a disparu. Hein. Yeah, Ojo. Ojo. Ojo, pourquoi tu fais ça? Et lui, il me décrit encore que je suis là. Hein. Donne-moi mon numéro, mon fou. Ouais, c'est hier. Je vais te taper. Aïe, ah, c'est hier. Depuis là, voilà, il dit que je suis là. Ojo, écris mon numéro ici. Ojo n'avait pas compris. Ojo, tu n'as pas un bon téléphone. Oh non, Ojo, tu abuses quoi? Tu abuses quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, voilà le numéro. Aïe, 68-94. Voilà mon numéro du Bénin. Oh là là. 68-94-80-36. Ojo, tu es sûr que c'est ça? 68-94-80-36. Bon, ça, c'est le numéro du Bénin. Vous allez cotiser. Je vais faire cagnotte de cotisation pour Ojo. Oh, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 07-79-02-52-05. Les produits seront là bientôt. Les produits arrivent. J'ai quelqu'un qui arrive avec ça au Bénin bientôt. The Brave Ones. No, I haven't watched that one. No, I haven't. Ojo, tozi. Comment faire pour se connecter à ses ancêtres? Tes ancêtres te parlent déjà, chérie. Hmm? Tes ancêtres te parlent déjà.
Merci Noël, tu ne me déranges pas. Si c'est pour me donner un bon compliment sincère, bien sûr. Si ce n'est pas la flatterie, le compliment est différent de la flatterie. Je suis de la famille Hoche. I don't think I'm going to watch that one. Quel film? Ange de lumière. Attendez, je veux voir le film de quel tu parles. Oh, j'ai bien regardé le truc là de Sister. Brave Ones. Blood and Water. Blood and Water. Le film des ados. Je trouve que l'Afrique du Sud est en train de remonter dans les films. Hein. Franchement, ils te font des bons trucs. L'Afrique du Sud et le Kenya. J'ai bien envie de visiter le Kenya. Ils font de superbes trucs. Ouais. Alors, quels sont les Béninois qui veulent me faire visiter demain? Quand vous apprenez l'anglais à l'école, vous n'appreniez pas. Maintenant, quand nous on parle anglais, ça vous dérange. That's not my fault. OK? What can I do? La femme du roi Dahomey. Ah! Vous voulez me finir les films? OK. Giovanna, tu veux me faire visiter? Ah, d'accord. Arrangeons notre rendez-vous, pardon. Arrangeons notre rendez-vous, Giovanna. Dis-moi, pardon. Mm-hmm. Tu m'amènes où demain? Tu m'amènes où, Giovanna? Dis-moi. Alette, thank you. Alette, tu ne parles plus. Tu veux aussi faire audio chez nous. Tu es devenue audio, Alette. Sylviane, maman, je ne peux pas finir le tour que je suis en train de faire dans l'Afrique de l'Ouest là, sans venir chez vous. Je t'assure. Je vais seulement t'appeler et dire que viens me chercher à l'aéroport. Je veux plus vous prévenir. Oui, je dois manger le plat béninois demain. Vraiment, Giovanna. Je vais aller au marché. On m'a dit qu'il y a un endroit où il y a de l'eau et une ville sur pilotis, sur l'eau. Je veux que tu me montres le côté là. Là, je serai au Burkina, j'ai derrière ma personne qui va s'occuper. Pour le Togo, si vous êtes disponible pour me faire visiter le Togo, vous me dites. Oui. On prend une voiture et puis. Je rejoins ton équipe. Hein. OK. Thank you. Attendez un peu. À côté de la Mauritanie, j'aimerais. Le Bénin est à côté de la Mauritanie. Hein. OK. Non, les Béninois sont cool. Même à l'aéroport. Hé, hey, maman. Pardon, venez au Bénin. Tu vois le père qui disait « Tell him to make noise. » Quand tu arrives dans son pays, comment on te menace à l'aéroport? Quand tu arrives au Bénin, « Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Tell him to make noise. » Bonjour, madame. Asseyez-vous là-bas. Passeport de Tell Them to Make Noise, passez par ici. Tous les autres passeports, passez par là. Passeport camerounais, asseyez-vous là-bas. Passeport camerounais, asseyez-vous là-bas. Tell Them to Make Noise, qu'est-ce que les Camerounais vous ont fait? Je n'indexe moi personne, je n'ai pas mal dit le nom d'un pays là. Qu'est-ce que les continentais ont fait au Tell Them to Make Noise? Vous connaissez vous-même les continentaux et vous exagérez quand vous arrivez quelque part. Vous gâtez notre nom. Et que tu arrives, tu montes ton passeport. Mais le Bénin, c'est une terre d'accueil, franchement. Je sens aussi que quand il va aller au Burkina, ce sera la même chose. Ils sont très accueillants. Ils sont simples. Ils ne cherchent pas à te berner. Il y a la sécurité. On ne cherche pas. Quand on voit que tu ne connais pas, on ne cherche pas à te taxer forcément. À moins, bon, il y a quelques petits malhonnêtes. Ouais, quelques petits malhonnêtes. Tu m'as vu. Et tu as fermé les yeux, tu m'as vu. Bon, la fille qui a dit qu'elle va me faire visiter demain, là, tu es où? Tu as disparu.
Voilà mon numéro, appelle-moi. Bon, bye. Allons voir Netflix. On va visionner. Wait a minute. I think I left my consciousness in a sixth dimension right now. Right now. Bye.